Oh là la reine, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va un petit peu mieux de toute façon, comme je vous dis. Hein. On va avancer petit à petit, mais se morfondre n'a rime à rien. Bon, mis à part ça, ben, on est au boulot. On est lundi 22 janvier. Je vais vous montrer mon plateau. Matinée avec quand même quelques petites complications qui se rajoutent à la longue tâche que je dois faire, notamment au niveau de matériel. D'appareillages qui sont en rade de batterie. Voilà, donc actuellement sur 5 vertiques et j'en ai 2 en panne. Voilà, c'est fabuleux. Donc je sais pas trop, là je les ai mis en charge à midi. Donc je vais laisser 12 heures au moins de charge pour être sûr de voir si la batterie tient plus ou pas. Voilà, c'est les joies de ce qu'on n'a pas prévu et que bon, ben voilà, ça nous met un peu dans la cagade. Au niveau de notre pratique, si on n'a pas du matériel fonctionnel. Bon, mis à part ça, je vais vous montrer mon plateau. J'adore ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis après, ben, je pense qu'on est bon pour l'instant. Ce matin, j'ai continué. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, hier, j'ai commencé un mystère dans le sorcière. J'ai fini un mystère, je ne sais plus dans lequel, que j'avais fait, que j'avais pris. C'était lequel? Alors là, de tête, franchement, j'ai un trou. J'en fais... Du coup, j'en enchaîne tellement. Je sais que j'en ai fait. Ah, d'un portrait. Non, celui-là, je crois que je vous l'ai dit déjà que je l'avais fini. C'est peut-être pas celui-là. Bon, enfin, bref, c'est pas grave, je vous le dirai ce soir. Mais oui, là, je suis dans mon sorcière. Voilà. J'avais quelques pages de. Non, j'ai fait une page qui n'était pas prête d'ailleurs. Non, une page que j'avais envie, tout simplement. Voilà, des fois, il n'y a pas de raison. Et donc, voilà, rien de plus pour l'instant. Donc, mon plateau du jour. Alors, entrée crudité, betterave, céleri, salade de fruits, camembert, et c'est le plat. Bon, c'est des pâtes, vous vous doutez, mais surtout, c'est de la joue de porc. J'adore la joue de porc. Voilà, bah, écoutez, régalez-vous aussi si vous passez à table. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à 17h, je vous reprendrai une fois à la maison. Allez, je suis rentrée, 5h30, comme d'hab, je suis partie à la bourre, et... Je devais appeler, enfin, j'avais un truc à faire pour un résident, mais je devais d'abord appeler sa fille. Hein. Du coup, n'ayant pas eu le temps, bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai rien fait, enfin, j'avais pas retiré sans que je prévienne la famille. Et qui je vois en passant par l'accueil, la fille. Bon, ben, forcément, j'en ai profité, mais du coup, bon, ben, voilà, vous discutez, vous faites le point et on est un peu plus de 20 minutes. Voilà, comment on fait du rab gratos, on va dire. Après, je me dis que c'est quelque chose que je ferai pas demain. J'aurais pas l'appelé puisque je l'ai vu. Mais bon, mon temps demain ne sera pas un temps de pause. Je vais en profiter pour faire autre chose. Vous voyez l'idée. Enfin bref. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était que j'avais fait un colo dans le carré Girl Power. Pareil, qui correspond à ma pack et il est vraiment pas terrible quand même ce carré. Je me tâte vraiment, là, les filles me voyaient faire, me disaient, ah, maman, moi aussi j'aime bien faire ça, on n'en a pas. Alors si, elles en ont des mystères et tout, mais bon, forcément, ceux de maman, c'est toujours mieux. Donc, si jamais j'aurais dit, ben, vous me le dites quand vous voulez en faire, celui-là, je vous le prête, enfin, je vous le donne même. Bon, je laisse pour l'instant dans ma collection et mes trackers, mais ouais, c'est un peu, voilà, vraiment, les illustrations sont assez sombres, et puis, je sais pas, ne me plaît pas celui-là. Bref, j'ai quand même fait ça. Et là, comme je vous disais, donc, je suis allée dans le sorcière et j'ai dit, prenons la page 50. Je suis en train de vérifier que j'aurais pu faire la page 20 pour coller au Disney des filles. Ouais, j'y ai pas pensé. Bon, on verra peut-être. Donc là, c'est la page 50. Écoutez, il est bien avancé. Je vais vous le montrer. Et puis, ceux qui ne veulent pas voir comme d'habitude, fermez les yeux. Pour l'instant, je suis sur les Albrecht Dürer. Et puis je fais au fur et à mesure. Voilà, je prends le nuancier, je ne me prends plus le chou. Allez, 1, 2, 3, on ferme les yeux. Voilà, écoutez, je trouve très lumineux, très très beau. Alors là, c'est parce qu'il faut que j'aquarelle. Voilà, j'ai commencé cette couleur. La peau est originale. Hein. J'ai réfléchi, mais non, je ne crois pas m'être trompée. Enfin, je suis là en bas, hein, les codes. Voilà. Alors peut-être que je l'ai pris un peu vif, mais je trouve ça très lumineux, très joli. Voilà. Mais écoutez, j'ai qu'une demi-heure avant d'aller chercher les filles, donc je vais m'activer. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'on mange. J'ai aucune idée. C'est fatigant. Hein. Quand vous avez rien, bon, c'est compliqué. Et quand vous avez
beaucoup de viande et pas d'accompagnement, c'est toujours compliqué de ne pas faire les mêmes accompagnements. Enfin, bref, c'est toujours compliqué, quoi, en gros. Donc voilà, j'ai donc du boulot qui s'est rajouté par-dessus la tête. Et réellement, je ne sais même pas comment je vais faire. C'est-à-dire que même moi, toute seule, j'y arriverai pas. Donc là, bon, demain, j'espère qu'avec l'homme d'entretien qui est là, c'est celui avec qui je m'entends très bien et qui m'aide beaucoup. Donc, je vais essayer de mettre un grand coup de collier cette semaine pour le problème des vertiges, pour la fabrication de mousse que je dois avoir. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs qu'il faut qu'il m'aide pour que je puisse me consacrer en fait à d'autres tâches qui m'incombent plus que ça, qui peuvent être de l'ordre de l'homme d'entretien. Voilà, ben allez, je vous laisse là et puis je vous reprendrai dès que je pourrai ou que j'aurai quelque chose d'intéressant à vous raconter. Coucou, allez, mardi 23 janvier, je suis un petit peu décalquée, mais pas trop. Alors par rapport à dimanche où je suis allée me coucher à 2h du matin, hier je suis allée me coucher à 23h. J'en pouvais plus en fait. Je m'endormais, puis j'ai dit, allez, laisse tomber, tu le finiras pas ce soir, ton mystère. Des fois, c'est vrai que voilà, je tire un peu sur la corde pour finir. Donc, dans le sorcière, j'ai ben, quasiment tout fini. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que, bon, ça fait. Je veux dire, c'est pas primordial. Et comme c'est presque la fin. Et c'est qu'un mystère, je veux dire, c'est pas. Voilà. Bref. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait à vous raconter? Ben, en fait, pas grand-chose, hein, réellement. Là, hier, j'ai avancé ça. J'avance mes vidéos playlists. Et puis voilà, je vais me coucher à 23h. Donc, c'est pas un truc de fou. Bon, en tout cas, cet après-midi, je ne sais pas par quoi je vais être motivée. Faut pas que je me fasse avoir comme la dernière fois, mais c'est vrai qu'en même temps, j'aimerais bien voir si avec Twitch et le téléphone, ça fonctionne. Mais il va falloir que je me donne une notion de temps. Comme ça, au bout d'un certain temps, mais tant pis, c'est mort. Après, je sais pas si je ferai pas juste un petit live ben, pour diamanter enfin, mes stickers. Je sais pas si je fais un spécial sticker, si je fais un multi-activité et du coup, je me mets plusieurs trucs. Après, c'est comme tout, là, je ne suis pas dans la véranda. Si je dois préparer en fonction des petits papiers, je suis pas sûre d'avoir un truc de chaque de près, c'est pour ça. Écoutez, on verra bien, ce sera la surprise, je vous tiens au courant de toute façon. Allez, je vous reprends à la maison. Bon, il est quasiment 14h. Je suis partie à 13h comme d'habitude, on fait du rab, voilà. Bon. Bon, après, vu que j'ai conversé avec des copines, forcément, ça prend un peu de temps aussi, mais bon, j'ai réussi à faire mon repas. Même chose qu'hier. Un petit chorizo avec la purée d'haricots plats. Écoutez, ce sera très bien. Je me suis fait griller un peu de pain avec du pâté, un petit cornichon. Voilà. On verra pour le dessert si j'ai encore de la place. Programme, donc l'après-midi, enlever le linge et tendre l'autre. Comme ça, c'est fait. Et après, ben, je ne sais pas. Voilà. J'ai plusieurs choix possibles. Je voulais peut-être faire un petit live, mais en même temps, je suis pas forcément dans ma pièce, je suis pas équipée. Voilà. S'il me manque des choses ou quoi, j'ai pas envie de faire des va-et-vient et tout. Ça me gonfle. J'ai pas forcément non plus une bonne vue, quoi. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai mon mystère à finir. La robe qui est un peu chiante et comme ça, c'est fait. Ou alors je la garde pour ce soir, à voir. Mais j'aimerais sinon avancer. Je sais pas trop en fait, parce que c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de colos déjà. Ah non, je me disais mon film, voilà, que j'ai toujours pas vu et que j'aimerais bien voir, quitte à me mettre sur le DP de la botte. Alors après, j'ai réfléchi à ça. Je me dis, est-ce que je la garderai pas quand même pour la période plus hivernale? Parce que, voilà, bah, je suis plus trop dans le mood. Et en toute franchise, j'ai pas d'autre DP de Noël, quoi. Donc je me dis, je retournerai vers lui, quoi. Bon. Donc je me tâtais, voilà, à la mettre de côté et à me lancer dans une autre que j'ai même dehors, là, sur les princesses. Voilà. Pour pas commencer celle de Maggie de suite, parce que déjà, j'ai commencé la broderie. Je me dis, garde-toi un petit peu quand même. Voilà. Donc, j'ai un petit peu tout ça en réflexion, dans ma tête. Voilà. Et comme d'habitude, je ne veux pas gaspiller mon temps non plus à réfléchir de trop. Donc, il va falloir que je me décide. Et j'ai toujours ma configuration Twitch à finir. J'ai eu un petit coup de pouce, donc ça va peut-être me débloquer, mais il faut que je vois. Ça prend du temps. Je me dis peut-être plutôt en soirée ou à l'occasion, je me pose une heure, ne serait-ce que, voilà, si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bon, mais je recontacterai les copines. Bon, je vais voir. Voilà ce que je vais faire. Je vous tiens au courant de toute façon. Allez, pour l'instant, je vais manger. Donc, bon appétit si vous allez manger.
Et sinon, ben, à de suite. Allez, là, je vous reprends. Il est un petit peu plus de 15 heures. Bon, j'ai réussi à manger. J'ai pas pris le dessert. Ah ouais, j'avais envie de glace. Enfin, il fait froid, mais peu de chocolat. C'est réconfortant. Bon, on verra ça après. Alors, j'avance toujours mes playlists. J'ai fini. Finalement, je l'ai fait. Ouais, je me suis dit, allez, hop. Parce qu'au départ, je voulais juste mettre le crayon. Je me suis dit, t'aquarellera ce soir. Et puis, j'étais lancée, voilà. Alors, je vous montrerai dans les coloriages terminés. J'ai fait donc le noir au Drawing Intense. J'ai fait exprès de faire ses cheveux. Et je ne sais pas, il y a un oiseau, je crois que c'est un corbeau, hein, bien noir. Et sa robe qui était censée être noire. Le fait d'avoir juste mis très léger le crayon, en fait, j'ai vraiment frotté en surface. Et c'était voulu. Ça ne me fait pas un noir intense, mais du coup, ça fait un petit gris, mais c'est plaisant. Voilà, j'avais pas envie du noir, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Bon. Bref, donc je l'ai fait. Et j'avais oublié de vous dire, c'est ça en fait, que je me disais, mais t'as oublié un truc. Eh oui, je suis retournée dans celui-là. Alors, je ne savais pas trop vers lequel aller, parce qu'il m'inspire tous plus ou moins. J'ai regardé par rapport au colobac. Bon, R, encore une fois, c'était Robin des Bois et c'est la même position, la même ilu que j'ai dans deux autres blocs où j'ai prévu de faire. Deux autres blocs ou un bloc et un autre livre. Enfin bref, peu importe. Donc pour l'instant, je l'ai laissé de côté celui-là. Et en Z, j'avais personne là. Et de toute façon, niveau perso, j'ai déjà fait Zazou. Voilà, donc bref, j'avais pas forcément voilà, le choix prédéfini. Donc, ben, j'ai été emballée pour faire la Blanche-Neige. Qui à la base, si vous suivez mes vlogs, que vous êtes attentifs, je ne sais plus sur quel mois, si c'était novembre ou décembre, et j'avais pas du tout eu le temps, et peut-être un petit peu manque de motivation à ce niveau-là. C'était un duo avec une abonnée, Sandrine. Voilà, coucou, je sais que tu passeras par là. Et donc, ça y est, ben, je me suis lancée dans le Blanche-Neige, vu que pour l'instant, avec Cendrillon, elle m'a dit de voilà qu'elle mettait un petit peu de côté, faire une pause dans le mosaïque. Pas de souci, moi, vous savez, ça vient, ça va. Dans tous les cas, je fais en fonction de ce que j'ai envie, je vais dans mes livres. Si des fois, il se trouve que ben, vous rattachez en disant « Ah, ben, t'es là, sur ça, je te suis. » Ok, vous le faites, vous ne le faites pas. Bon, mais dans tous les cas, je comptais le faire. Et des fois, il n'y a pas forcément d'ilu ou quoi, où j'ai déjà bien avancé, vous me dites « Ah, ben, moi aussi, j'aurais voulu y aller. » Et on se choisit vraiment une ilu qu'on fait en duo. Là, c'est pareil. Que ce soit moi ou vous, vous n'êtes pas motivé pour X raisons, ça ne se fait pas. C'est pas grave. On décolle. On le met à plus tard. Et voyez, là, c'est la preuve. C'est-à-dire que moi, je n'avais absolument été motivée. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'avait pas motivée du tout. Mais parce que j'en avais plein d'autres. Donc, j'avais demandé à Cendrillon. En gros, je lui avais dit que moi, voilà, c'était un peu un stand-by. Je ne voulais pas, en fait, cumuler un retard. Et donc ça ne servait à rien qu'on en choisisse encore un autre pour le mois d'après. Et pour le coup, elle est partie sur un autre livre et ça s'est bien trouvé. Bref, peu importe, c'est notre patchak. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous qu'on n'est pas frustré, on n'est pas vexé et tout va bien. Voilà, l'essentiel c'est qu'on s'y retrouve et qu'on n'oublie pas. Mais pour l'instant, je tiens la route. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, c'est très flashy. Après, vous le savez, moi je suis plutôt sur du... Alors, à plat, et puis on prend les couleurs de base, et basta, hein. Mais là, j'ai voulu... Alors, je sais même plus qu'est-ce que j'ai fait. Alors, je crois que comme j'avais la trousse d'Albrecht Dürer et Derwent Intense, je suis d'abord allée piocher dans les Derwent Intense. Il n'y en a pas beaucoup, de couleurs. Et après, j'ai fait les couleurs un petit peu plus... Enfin bref, vu qu'il faut choisir deux couleurs. La couleur la plus intense, entre guillemets, c'était Derwent Intense. Et après, pour trouver une autre couleur plus adoucie et essayer de faire ce dégradé là, j'ai pris Albrecht Dürer. Contrairement à d'autres dans le mosaïque, j'ai pas voulu faire une case sur deux. Là, j'ai fait des lignes de cases. Donc, regardez la robe. Voilà. Et c'est par ligne. Donc, c'est une ligne claire, une ligne foncée, une ligne claire. Je me suis dit qu'au niveau rendu, ce serait sympa. Voilà. Et par contre, je suis restée sur cette même technique.
Pour tout le colo. Donc, du coup, là, on est par ligne à celui-là. Alors, le seul truc, j'aurais dû faire son haut, là, différent de la cape. Parce que du coup, je suis déçue, ça se noie. Voilà. Et j'ai pas fait gaffe, en fait. Quand j'ai choisi les couleurs, j'étais tellement à fond sur choisir la couleur qui correspondait à celle-là, différente de celle qu'elle a au niveau des manchettes, là. Et que quand j'ai pris la cape, ben du coup, je dis, ah ben oui, ça va bien. Et j'ai pas fait gaffe qu'en fait, on serait trop. Fait que ça se noierait, quoi, l'un dans l'autre. Vous voyez, surtout ici, là. Voilà. Ici, c'est pas très clair, là. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait volontairement ici et le nœud avec le rouge parce que il n'y a pas beaucoup de cases. Je ferai au stylo gel à paillettes. Là, pareil pour les petits nœuds stylo gel à paillettes. Bon, les chaussures étant noires, c'était réglé. Les cheveux sont noirs, c'est réglé aussi. La peau, c'est simplement un albrèche dureur. Je ne me suis pas que ça n'est net. Là, c'est une seule couleur. Et qu'est-ce qu'il me reste? Alors, cette chouette là où hibou, j'arrive pas à le trouver. Ça m'a gonflé. J'ai tapé Blanche-Neige et hibou, Blanche-Neige et chouette, Blanche-Neige, animaux Blanche-Neige. J'arrive pas à trouver. Donc, il était un peu tard, j'étais blasée. Donc, j'ai dit, on verra plus tard. Mais sinon, je suis contente parce que j'avais une soirée faite entièrement Blanche-Neige. Le fond, ben mystère, je sais pas du tout sur quelle couleur partir. Soit je reste un peu dans du vert, parce qu'on est sur les trois couleurs primaires, je crois. Rouge, bleu et jaune, je crois. Hein. Oui, puisque le vert, c'est un mélange de. C'est quoi d'ailleurs le vert? De bleu et jaune, non? Ça fait vert, je crois. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Si je dis une connerie, c'est pas grave, mais si, voilà, sinon c'est ça. Donc, ouais, je sais pas qu'est-ce que. Quelle couleur faire derrière quoi. Lui, je suppose que sort de marron, beige, clair, je sais pas. Enfin, vous avez compris. Je risque d'être un peu bloqué sur le fond. On verra. Peut-être il basculera sur février, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis contente parce que voilà, j'ai quand même pas mal fait ce mois-ci. Hein. On est le 23 et j'en suis quand même à 17 colos. Alors, essentiellement, plus, mystère. Mais comme je vous ai dit, c'est ma cam. Donc, on s'en fout. Si je fais que des mystères, c'est mon problème. Voilà. C'est ma cam. Voilà. Mystère, écrit encore et là. Voilà. Pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, sachez que c'est ma cam. Ça va être le titre, tu sais. C'est ma cam. Bon. Je vais aller me motiver pour enlever le linge, étendre l'autre. Et après, that is a question. Est-ce que je me ferai pas un petit sticker diamanté? Mais avec vous ou pas avec vous? Le truc, c'est que si je me mets en live, le problème, c'est que. Enfin, c'est ce que je me dis. Ça fait un petit moment comme ça qu'on n'a pas été en live. J'ai l'impression que du coup, après, on essaye effectivement de rattraper le temps perdu, entre guillemets. Et du coup, j'ai peur de ne pas avancer. Comme je vous dis à chaque fois, d'ailleurs. C'est ma grande question, ça. C'est. Est-ce que je me mets en live, mais j'aimerais avancer? Ou est-ce qu'au contraire, je vais pas trop avancer? En même temps, me mettre en live, oui, mais non, mais que j'arrête avec ça. Tant que je suis ici, c'est pas pratique. Je pense que vous verrez pas bien, à mon avis. Donc, non. Non, depuis tout à l'heure, en fait, je m'auto-fatigue. Je m'auto-fatigue. Et je pense que vous aussi, ça doit vous fatiguer, mais d'une force. Quand je suis comme ça, hein. Non mais osez me le dire. Hein. Nadège, tu nous fatigues des fois. Pas tout le temps, mais des fois. Bon, ça c'est sûrement aussi avec l'arrivée d'un an de plus. Mon Dieu. Je vais prendre un an de plus. Vous vous rendez compte? C'est affreux comme ça un gros plan, non? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous l'avais jamais fait celle-là. J'adore mes boucles. Vous avez vu mes boucles d'oreilles? Elles sont trop mimes. J'adore les chats. Pattes de chat, et en plus c'est du rose pailleté avec des touches de vert. Oh, c'est le kiff. Bon, bah écoutez, je vais pas vous garder pour vous garder, hein, et je vais effectivement déjà m'attaquer au linge, et on verra après. Je me dis poc poc, hein, comme on dit en catalan. Parce que j'ai aussi en tête de commencer les miniatures, et ça pour le coup, vu que ça va être des vidéos, enfin, je veux au final vous en faire qu'une seule vidéo, mais ça va être des temps de tournage. À chaque fois de stocker et de faire petit bout par petit bout. Ça, c'est tout un projet aussi que j'aimerais bien arriver à faire cette année. Depuis l'année dernière que je vous en parle, de cette. Enfin, faire la miniature, ça c'est sûr, parce que. Ouais,
Hein, ça traîne dans le placard et que j'aimerais bien vider un peu mes placards des activités manuelles. Mais j'aimerais vraiment, en fait, en faire une vidéo mais complète, quoi, du début à la fin. Vous aurez des moments accélérés, bien sûr. Si jamais il y a des trucs, c'est un peu trop long. Déjà, bon, les temps de séchage, je ne vous les aurai pas. Et moi, forcément, je dois le faire en plusieurs fois. C'est logique. Donc, on va voir, mais pour l'instant, on va rester un peu simple. Ça, c'est pas compliqué. Il est 3h20. Je vous reprends dès que j'ai fini d'étendre le linge. Vous allez voir quelle heure il sera. Je mets un temps fou aussi à enlever le linge et étendre. Allez, je me dis, j'aimerais bien que ça fasse moins d'une heure. On lance le pari. Je vous reprends dès que j'ai terminé. Et on verra quelle heure il est. Là, il est 15h23. Allez, je vous reprends. Il est 15h52. Bon, pour faire simple, vu que j'ai commencé à 23, on va dire 53. 30 minutes, voilà. Donc, pour l'enlever et pour éteindre, je suis trop contente. Ma mine de rien, il est presque 16h. Hein. Mais bon, eh, 30 minutes, c'est 30 minutes. Bon, par contre, je ne sais pas du tout ce que je fais. Là, j'étais en train de me dire, hey, tu ferais pas ton film avec la broderie. Puis je me dis, ouais, mais c'est con parce que la broderie, tu peux le faire n'importe quand le soir. Vous voyez comment, en fait, on rumine pour rien, quoi. Parce qu'après, je me dis, bon, mais alors tu ferais quoi? Bon, et au final, ben, je sais pas trop. Alors, ce qui est sûr, là, j'ai le bloc mosaïque. Non, il m'appelle pas du tout. Me relancer dessus dans un mystère, je commence à saturer. Quasiment, fait que ça, des mystères. Attendez, je comptais. Je suis à 18 colos. Donc, avec mon nouveau système, ça va très vite. Mystère, mystère, mystère. 1, 2, 3, 4. Ben, j'ai 4 hors mystère. Donc, en gros, j'en ai fait 14 mystères. Et 4 hors mystère. Donc, on va essayer un petit peu là de lâcher le mystère. Même si ça me plaît, hein, mais je me dis, ça serait intéressant d'aller vers autre chose. Donc, ouais, soit je me lance dans la broderie, mais en même temps, j'ai pas envie d'allumer la télé. En fait, je crois que c'est que j'ai pas envie de me mettre sur la télé. Vous savez quoi? J'ai tellement envie de faire un petit sticker. Je me dis que je vous le mettrai bien dans le vlog, là. Je vous filme rien que pour vous mettre les stickers. Quitte à ce que je voulais mettre en accéléré, hein, mais... parce qu'en blabla, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Je peux pas rentrer dans les détails au niveau boulot, donc je vais pas vous parler du boulot. Et puis pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Ben, série ou film? Je sais pas raconter. Je suis pas... Donc vous dire oui, ce qu'on a vu récemment, on adore l'émission Le Sol, qu'on a vu en replay. On est à fond sur Destination X, toujours en replay. Oh oui, j'ai vu qu'il y a les portraits de l'amour et dans le pré, ça a repris. Donc il faut que je regarde les portraits, mais en replay. Et on avance toujours Charmed, voilà, pour pouvoir finir notre sur Amazon Prime et pouvoir l'arrêter, l'abonnement. Et on a regardé donc John Wick 4, qui est super. Ah, j'ai adoré. Bon, j'aime bien, de toute façon, John Wick, donc ça clôture bien, on va dire, la saga, si il décide pas d'en faire un autre. Mais du coup, j'ai adoré. Et je sais pas pourquoi ça donnait envie à Loïc de se refaire Kill Bill. Donc, ça fait deux soirs qu'on fait Kill Bill. On a vu le premier, déjà, et là, on est sur le deuxième. Mais bon, c'est... Le problème, c'est que même lui, il s'endort. C'est tellement long, vous savez, avec les scènes où ils sont là, et puis ils bougent pas. Puis ils se regardent, et ils bougent pas, et puis la musique derrière, et enfin bref, voilà, ça l'achève quoi. Donc, je crois que c'est hier soir. Je me suis levée faire je sais plus quoi, m'essuyer les lunettes, puis je regarde, et puis dormir. Non, c'est pas hier soir, puis hier soir, je suis allée me coucher tôt. Non, c'est dimanche soir. Je dis, mais tu dors? Par contre, je vous ai pas dit pourquoi je me suis couchée tard. Je suis restée jusqu'à 2h du matin parce qu'en fait, ben, comme il était couché assez tôt, je me suis mis Tamara, que j'ai trouvé sur Ciné Plus Famise, je crois. Et puis j'ai dit, est-ce qu'ils auraient pas le 2? Et du coup, je me suis mis le 2. Mais bon, je me suis mis le 2, il était minuit et demi, donc forcément, 2h, et puis j'étais dans le film. J'adore Tamara. Franchement, j'aurais eu ce film étant jeune, vu que j'étais exactement dans cette situation boulotte. Elle, pour le coup, je la trouve pas boulottée entre nous. Peut-être dans le premier. Dans le premier, elle est un peu plus boulotte. Mais dans le 2, forcément, bon, en tant qu'actrice, elle a peut-être fait un peu plus attention. Bref, elle est beaucoup moins boulotte dans le 2, parce que réellement, quand elle s'habille, les robes et tout, enfin, elle est sexy, quoi. Après, c'est très bien quand même, parce que oui, elle est un petit peu ronde. L'esprit est là. Mais c'est vrai que dans le 1, c'était plus parlant pour moi, hein, dans ma manière de m'identifier. Et je l'aurais eu étant jeune. Bon, ben, peut-être, effectivement, j'aurais osé plus de choses. Quoi que, après, moi, j'ai pas eu une enfance à ce niveau-là trop complexe avec les autres. Mais bon, enfin, en tout cas, si vous connaissez pas Tamara, c'est très sympathique pour des fois des jeunes qui sont...
et qui sont peut-être pas bien. En fait, ça montre que c'est pas parce qu'on est costaud qu'on n'a pas droit au super beau gosse. Et puis le beau gosse pour les dans celui-là, ben, il est pas con. Et voilà. Et puis il y a vraiment une histoire d'amour. Ouais, un petit peu à l'eau de rose, vraiment, téléfilm, quoi. C'est le grand amour, le premier amour reste le grand amour et tout finit bien, quoi. Ouais, pour une fois. C'est pas l'américaine, mais voilà, ça finit bien. Donc voilà. En gros, je vous ai fait vite fait le débrief des films. Donc il n'y avait pas de quoi faire un blabla d'épée, sticker d'épée. Mais j'ai bien envie de m'en faire un quand même, un ou deux. Je pense que je vais m'en faire un, je vais vous le filmer. Je vais vous le mettre en accéléré si jamais. La question c'est est-ce que j'en fais trois? Parce qu'après, je vous prendrai pour les coller. Je vais voir. Écoutez, ça je vous dirai, mais je vais voir selon ma motivation. Allez, je m'installe et je vous reprends. Allez, bon, je vous ai installé comme j'ai pu. Donc là, j'ai mes 6. Alors, je les ai mis dans ce sens parce que je me dis, on va les piocher. Et on va faire du hasard. Voilà. Donc, je me suis pris des barquettes en plus parce que comme ça, ben, j'aurai qu'à ouvrir. Parce que à le faire, je finirai le personnage. C'est ça, vraiment l'idée. Bon, j'ai pris leur petit kit à eux. Donc, c'est la barquette blanche. Un stylet où il y avait écrit, je vous l'avais pas montré, je crois, Crystal Art. Bon, comme il n'y a pas la petite mousse, je suis allée m'en chercher une. J'aime bien la petite mousse. Voilà. Ça me permet de d'être un petit peu plus hein, confortable. L'espèce de cire. Ils avaient fourni donc plein de petits sachets. Alors, normalement, là, je n'aurais pas les utilisés parce que j'ai regardé et ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, par exemple, que. Attendez. Voilà. Là, par exemple, vous voyez ce dé-là. Donc, qui correspond à la page 16, hein, numéro 93, enfin l'image 93. Donc, ce dé-là qui semble être du noir, ben, n'est pas du tout ce dé-là qui est du rouge. Donc, ça veut dire que chaque personnage, chaque sticker aura ses couleurs et qu'à chaque fois, ils feront du ABCD. Donc, ça ne sert à rien pour moi de les garder. Il n'y a pas de numéro de DMC, donc je ne peux même pas savoir à quoi ils correspondent. Donc, l'idée, c'est que oui, si jamais par hasard un jour. Ben, j'ai pas fini. Je peux ranger dans les petits sachets les perles en attente de finir le sticker. Mais bon, franchement, vu comment c'est petit, ça demandera pas non plus trois plombes. Ben, donc, ce sera assez vite fait à chaque fois. Et les autres, ben, je le mettrai dans la licorne de mes filles et ça leur fera des perles en plus, en fait, des diamants en plus. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'installe. J'espère juste que vous verrez assez bien. Parce qu'il y aura ma main. J'ai calculé après, mais vous n'êtes pas dans le bon sens, en fait. Donc, j'ai peur que vous ne voyez pas forcément grand-chose. Donc, je vais essayer de me mettre sur le côté. Voilà. Après, l'idée, c'est que bah, je vous montre un petit bout, quoi. Hein. Voilà. Et après, je vous prendrai surtout pour coller le sticker ensemble. Allez, pour commencer, bah, écoutez, on va la faire au pif. Alors, je regarde pas. Je mélange. Parce que comme toutes, enfin tous, ils me plaisaient. J'ai pas spécialement non plus les mêmes. Si j'ai deux Marvel, je m'étais dit, tu fais les deux Marvel. Et puis après, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi spécialement faire les Marvel? Voilà, je pense que j'ai assez toutouillé. Je regarde pas. Allez, je prends celui-là. On a pris. Ah ben c'est Blanche-Neige. Ouais, allez, mais on va s'attaquer à Blanche-Neige. Allez, on va préparer ensemble. Hop, comme ça, s'il y en a qui connaissent pas trop l'activité, je vais vous faire un petit. Tuto rapide de démarrage. Alors, bon, ben on a le sticker, d'accord. Du coup, vous avez la pochette transparente de protection qu'on décollera pour coller les diamants. Derrière, ben, je saurai que c'est à coller sur l'image 10. Et là, donc, j'ai les diamants. Alors, et quand même. Ah oui, quand même. Il y a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Non, I, jusqu'à I. Bon, ben écoutez, je vais chercher des ciseaux. Voilà, donc là, ce que je vais faire, j'ai 5 corbeilles là. Donc je vais en ouvrir déjà 5. Et après, ben, quand j'aurai fini, je ferai les autres parce que. Oh, ou alors je vais chercher 9. Oh, je ferai au fur et à mesure. Ouais. Quand même, on ne va pas en oublier. Allez, c'est parti.
Ça y est, donc j'ai préparé. Alors, pour l'instant, j'en ai mis 5, d'accord? Je vais ouvrir le collant. Je me suis mis, vous avez vu, la cire, hop, dans mon stylo. Bon, s'il y en a pas assez, vous pouvez en remettre, mais bon, franchement, je pense que ça va le faire. Et puis, c'est parti. Donc, je vous mets tout ça en musique. Voilà, alors là j'ai fait les 5 premiers diamants que j'avais sortis. Le seul souci, c'est que je trouve qu'il en reste beaucoup. Et donc, en toute franchise, ça me fait très mal au cœur de les jeter. Mais en même temps, je suis persuadée que j'aurais pas l'utilité ailleurs, hein. Mais c'est vrai que c'est. Alors, c'est super par contre, ça colle super bien. Je vais essayer de, voilà, de vous montrer. Donc après, vous appuyez. Ce qui est bien, c'est que la partie qui n'est pas collante, il n'y a que là où il faut diamanter, donc ça c'est cool. Normalement, je ne me suis pas plantée, donc il me reste GFHI. Ouais, en fait, je me tâte parce que franchement, voilà, il y en a où j'en ai mis 3 quoi. Regardez tout ce qui me reste. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut dire en soi, c'est pas grave, mais si quand même, hein, le dé, franchement, j'ai dû en mettre 4 à tout péter. Ouais, ça me gêne beaucoup là de les balancer. Et en même temps, je peux pas tous les garder. De toute façon, j'aurai jamais assez de petits sachets. Et je suis persuadée que ce sera pas du tout les mêmes coloris. Regardez déjà rien que la lettre D là, mais voilà, c'est du rouge beaucoup plus fort. Il y en a qui ont rien à voir avec les couleurs. Donc, à moins que. Bon, je vous reviens. Donc, maintenant, ils ne s'arrêtent plus à téléphoner pour tout ce qui est machin énergétique là. Ils font du porte-à-porte. Bon, après, la petite, c'est une jeunette, c'est pas contre elle, hein, mais. Ah, voilà, c'est casse-pieds, quoi. J'ai déjà tout fait, on a tout fait. Tout ce qui est photovoltaïque, de toute façon, notre toiture, c'est pas forcément évident. Et puis, au niveau des frais, on avait fait effectivement tout le dossier avec la banque, qui n'avait plus qu'à valider le prêt. Bon, je sais pas pourquoi elle a traînassé, la banque, mais au final, nous, on n'a plus les frais. Enfin, c'est des dépenses qu'on peut pas se permettre pour l'instant. Bref. Tout ça. Donc, ça m'a coupé dans ma réflexion, qui était, oui, ça me fait mal au cœur de. Tant pis, c'est pas grave. Je vais les laisser de côté, les petits sachets. Parce que, par contre, les filles adorent les mettre dans leur truc, là. Donc, je vais les laisser aux filles. Ouais. Puis, comme ça, je finis mon petit sticker. Et vous, je vous remets en musique.
Ça, c'est du noir. Là, je me dis que par contre, il y a moyen, parce que le noir, bon, ben, c'est facilement identifiable. Le noir, c'est le noir. Vous êtes d'accord? Donc, le noir, je vais le garder. Pas besoin de garder de numéro. Puis, de toute façon, dans la licorne, le noir, ça fera pas joli. Elles aiment bien mettre tout ce qui est un peu pailleté et couleur. Mais je me dis, ouais, que le noir, pas forcément. Je vérifierai bien sûr que ce soit les mêmes couleurs. Et après, je les mettrai ensemble, les noirs. Enfin, tous les noirs. Je vais voir ça. Mais le noir, je garde. Allez, en musique. Ça y est. Ben écoutez, c'est très très joli. Attendez, j'essaie de faire focus. Voilà, ça brille. Bon, c'est pas des AB, ça c'est sûr, mais c'est suffisant pour apporter la petite touche originale dans l'album de stickers. Alors, ce que je vous propose, parce que c'est quand même pas court court non plus le temps des diamants et tout, donc on va en rester là. On en aura fait un. Ça m'a, comment vous dire, ça a répondu à mon besoin. Voilà, que j'en avais trop envie d'en faire. Donc, je ramasse tout ça, je range un peu et je prends l'album, on le colle ensemble. Allez, ça y est, j'ai tout rangé. Alors, on va prendre l'album. Hop. Pour l'album, ils nous disent que c'est le numéro 10. Donc, ils disent aussi page 2. Donc, ça peut nous aider. Là-haut, vous avez. Ah non, pas là, mais ici. Donc si ça c'est la 3, ça c'est la 2. Ah oui, c'est écrit en bas. Voilà. Et donc 10, on est là. Bon, on reconnaît la forme et tout et tout. Alors si on a peur que les diamants ne collent pas assez, tout ça, bon, rien n'empêche peut-être de mettre un coup de laque ou de la colle. Bon, je vais faire confiance. J'espère que ça ne partira pas, que ça ne sautera pas. Je vais, hop, directement coller. Ça ne devrait pas beaucoup bouger. Donc, on décolle le sticker comme tout bon autocollant. Et on y va, on va essayer de le mettre de manière harmonieuse avec. Vu qu'il y a le petit fond blanc, je voudrais respecter ce petit fond blanc. Je crois qu'on est bon. Nickel. Après, on appuie comme on peut. Je vais aller chercher mon rouleau pour être sûr. Allez, pour ceux qui ne connaîtraient pas dans les accessoires de DP, vous avez ce genre de rouleau plastique. Et en fait, quand vous faites, ben, que vous collez, vous pouvez venir appuyer comme ceci. Alors là, non, mais des fois, quand vous avez, surtout dans les carrés, et que vous devez bien les coller, eh ben, des fois, en passant ça, vous entendez poc, poc, parce qu'ils se remettent en place. Voilà. Mais là, moi, c'est surtout pour bien appuyer. Mais écoutez, notre première poupette est faite. Voilà, ben c'est très joli. Et
Si j'arrive à compléter mon album, ce sera super original. Voilà. D'avoir des stickers en diamant. Alors, j'étais en train de réfléchir quand j'ai décollé. Est-ce que ce serait pas plus intéressant de décoller le sticker sans les diamants et de venir mettre les diamants directement là? Je sais pas. Bon, après, c'est un peu mou, donc peut-être, ouais, c'est pas. Non, après, si c'est faisable comme j'ai fait, je continuerai comme ça. Bon, mais écoutez. Voilà, j'espère que cette petite activité est bonne pour vous en speed, mais vous aura quand même intéressé. Peut-être vous l'avez sauté, il n'y a pas de problème. c'est juste de coller des diamants, c'est sûr, c'est pas palpitant. Hein. Allez, ben moi il est 17h, je vais aller goûter. Et après, je vais voir sur quoi je me mets. Ah oui, je me suis sorti mon bloc. Donc je vais vous en parler vite fait et après je goûte. Alors, dans le tirage de ce mois. Mon entre guillemets travail, c'est d'aller de démarrer ce bloc. J'ai sélectionné donc plusieurs colos, mais là j'ai préparé au niveau des couleurs celui-là. Voilà, il est simple. J'ai Bob et l'espèce de comment elle s'appelle? Célia, j'ai vu. Donc je les ai préparés les couleurs avec les Daring Tintins pour Bob. Et pour Célia, ce sera au Albrecht Dürer. Voilà. Et puis après le fond, ben, je verrai. Donc je me disais, pourquoi pas me mettre sur ça. Voilà, comme ça, j'ai plus d'excuses, je l'aurai démarré. On verra bien, je vous montrerai ce qu'il en est. Voilà, mercredi 24 janvier. Il est 1h30. Que bon, ce matin, j'ai travaillé. J'en ai profité vite fait pour faire un petit coucou sur le live de Maëva qui faisait un test. Donc, ouais, ça a bien fonctionné. Alors, là, nous, il fait beau. On est sur un 19 degrés, soleil. Franchement, c'est agréable. Bon, ma pièce, j'ai toujours 15 degrés. Hein, je me les pèle, mais c'est vrai que dans la voiture, voilà, l'écharpe, j'ai tout fait tout à l'heure. Bon, j'ai fait un petit peu de rab, mais vite, vite, parce que vous savez que le mercredi, c'est la course avec Taekwondo. Je sais pas pourquoi j'ai un voir roué. J'ai l'impression. Hein. C'est chiant. Bon, mais là, je me suis installée avec l'ordi. Je ne sais pas trop si Loïc a des réunions cet après-midi. Je verrai si je dois mettre le casque ou pas. Pour l'instant, j'avance mes playlists. C'est vrai que j'avais toujours mon film à voir. Toujours Teen Wolf que je n'ai pas vu. Il faut que je me pose. J'avais hésité à aller me mettre dans la véranda, mais il fait 15 degrés. Allumer le poêle, je vais avoir mal à la tête. Le bruit qu'il fait, donc je n'ai pas trop envie. J'ai envie d'être un peu tranquille au calme. Celui-là. Alors, du coup, j'ai fini. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé. Je vous pose, je sais plus, en toute franchise, si je vous en avais parlé, c'était la page, je l'ai perdu, 14, ouais. Donc je l'ai fini, juste le noir, bon, c'est pour des tout petits détails, donc je me suis pris mon stylo à paillettes, comme ça, vraiment, il est fini. Et j'ai démarré, parce que ça c'est mon côté psychorigide, en fait, je sais pas pourquoi, à un moment donné, je les ai fait plus ou moins à la suite. Donc, quand j'ai commencé à regarder ce bouquet, j'ai dit, oh, mais c'est cool! 1, 2, 3, 4, oh, ils sont faits à la suite. Et ça m'a donné. Enfin, j'ai dit, waouh, c'est trop bien et tout. Et puis, boum! Donc, jusqu'à la 8, ils sont faits. La 10 est faite. Et puis là, j'arrive à la 9. Bon, elle n'est pas faite. Donc, j'ai dit, non, 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 allez, je vais la faire. Comme ça, j'aurais fait jusqu'à la. Alors, jusqu'à la 10. Mais après, j'ai fait la 12. Donc, j'aurai la 11 à faire. Et comme je viens de faire la 14, j'aurai la 13 à faire. Vous voyez comment? Après, c'est normal. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait toutes celles de droite. Donc là, je vais essayer de faire celles de gauche pour avancer. Mais il avance bien du coup. Hein. Bon, après, j'en ai fait un peu par-ci par-là aussi. Mais c'est un qui est pas mal avancé. C'est vrai que je m'aperçois que c'est tellement simple. J'aime beaucoup, 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 beaucoup crayon aquarellable. J'ai plus de facilité. De toute façon, j'ai les trousses, je suis là, que les feutres. Voilà. Donc j'ai commencé la page, comme je disais, 9. Je vais vous montrer pour ceux qui voudraient, puisque c'est le tout début. Et je pense que dans la journée, voire demain, il sera fait. Il sera fini. Les combos, c'est quasiment, ouais, à part une couleur, que Albrecht Dürer. Donc fermez les yeux, je vous montre. Voilà. On voit à peu près qui c'est. Là, je suis sur donc, la couleur verte. Et comme je vous ai dit, tout Albrecht Dürer. Comme à côté, je l'ai fait aussi, ce sera simple. Donc là, voilà, je vais me mettre à ça, de toute façon, le temps que j'aille chercher Lorena dans 3 quarts d'heure. Et après, il y avait autre chose, c'est quoi que je voulais faire cet après-midi? Ouais, je vais essayer de broder un peu aussi, me mettre un fil, quitte à ce que
je le prépare, le fil, pour plus tard. Il y avait un autre truc que je m'étais dit, c'était ah, mon colo dans le bloc animaux et créatures fantastiques. Comme j'avais préparé les combos, je me dis que ça peut être pas mal de le faire. Alors après là, je sais pas si du coup je vous mets un petit peu l'activité, pourquoi pas, hein, un speed coloring. Je vais peut-être vous installer. Ça vous fera toujours un petit peu de temps comme ça de d'activité. Et alors, je suis en train de voir avec certaines chaînes de colocopines pour des lives duo. Donc voilà, ça sera sympa aussi. Après, c'est vrai que pour les lives duo, les filles, j'aimerais quand même pouvoir être dans ma pièce. Le soir, c'est compliqué parce qu'il fait très, 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 très froid. C'est pour ça que dans un premier temps, je vous dis que ce serait mieux les après-midi ou le jeudi matin que je travaille pas. Mais ouais, le soir, c'est un peu complexe ici parce que bon, déjà, je suis pas forcément à l'aise. Je veux pas bloquer Loïc. Enfin, être en train de causer, ça va lui faire du brouhaha. Il y aurait le lundi soir où il joue lui-même, mais bon, on va pas être tous les deux à pareil parce qu'on risque de se gêner. Enfin, voilà. C'est vrai que je préférais être dans ma pièce. Mais là, en ce moment, le soir, je peux pas. Je tiendrai pas, ça c'est sûr. Si vous voulez me retrouver en glaçon. Voilà, voilou pour les news. Bah, écoutez, je vous laisse là. Je vais peut-être vous faire un petit passage en musique du vitraux. Et puis après, en fonction de ce que j'ai à faire ou pas, je vous reprends. Ah, je viens de penser à un truc. Je ne vous ai pas donné la réponse de la devinette de la dernière fois. C'était quelle est la capitale de Tamalou? Alors là, pour l'instant, je n'ai pas eu de commentaire à ce sujet. Mais je ne sais pas si en fait c'était la semaine dernière que je vous l'ai posé. Je sais pas. Bref, je vous donne la réponse. La capitale de Tamalou, c'est Gébobola. Voilà, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur poser la devinette. J'en suis sûre, ça les fera rire, plus que vous peut-être. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire aujourd'hui ce qu'il en est. Allez, je ne vais pas forcément vous faire tout ce qu'on a loupé. Hein. Je vous fais celle que je trouve sympa. Ah, mais celle-là, elle ne m'a pas dit, les filles. Je vais faire celle-là. Ah, mais oui. Ah, si. Le soir, quelle histoire raconte une maman dinosaure à son petit? Elle est facile. Je vous donne la réponse. Ouais, eh bien c'est une préhistoire. Alors aujourd'hui, alors non, c'était hier. Ah ben ils n'ont pas fait aujourd'hui. Oh, mais ça tombe bien, ce sera une devinette que je ne vous donnerai pas la réponse. Je la donnerai la semaine prochaine. Alors, ben du coup, je vous dis hier. La maîtresse demande à Sophie, qu'est-ce qu'un canif? Un petit chien. Rebecca n'avait pas compris. Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un canif à la base. Quand je lui ai expliqué. Il me dit, ben alors pourquoi elle dit J'ai dit, mais parce qu'elle pense que la maîtresse veut dire caniche. Et donc, elle pense que le che, elle dit feu. C'est pour ça qu'elle répond en disant un petit fien. Elle me rien fait. Hein? Ouais, mais je comprends pas. J'ai dit, bon, mais c'est pas grave. Ah, des fois, hein, pour les jeunes, c'est compliqué. Bon, aujourd'hui, on va y arriver. Devine comment se dit slip en japonais. Ah oui, je la connaissais, celle-là. Trop rigolote. Ah, cela, rien que pour le côté un petit peu érotique. Ouhou, ça volera pas bien haut quand même. Je vous la laisse en devinette. Et si j'y repense, la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec un petit bout de mon vitraux. Thank you.
Allez, je vous reprends. Donc là, il est quasiment 19h. Loïc est parti avec les girls à la danse. Moi, de faire des allers-retours, ça me casse. Je suis épuisée. Chaud, froid, je ne peux plus. Mais je vous prends parce que ça y est, j'ai terminé. Hop, mon vitraux, la page 9. J'adore parce qu'en fait, le but n'est pas d'aller super vite, d'accord ? Il n'y a pas de... Ce n'est pas une course, mais en fonction de ce qu'on aime personnellement, c'est vrai que les mystères, pourquoi j'en ai autant et que j'adore tous les thèmes ? Parce qu'en fait, j'adore les engranger, en fait. Donc, un mystère un peu long, ça ne me gêne pas si le rendu final, il est waouh ! Donc ça, ça va bien avec les mystères un petit peu complexe comme voilà les créatures fantastiques de Jérémy Mariès, le love story, le princesse, quoi qu'encore on peut en trouver certaines plus voilà, mais ce genre là le méchant, la dernière fois j'ai un peu galéré aussi avec le méchant, mais alors le vitraux, c'est d'une alors simplicité et facilité, surtout le rendu, moi j'adore, c'est des couleurs très vives, là ma double page, je suis fan quoi. Je suis fan. J'adore le rendu avec les crayons aquarellables. Et ouais. Et puis comme je trouve... Je m'envoie des fleurs, excusez-moi. Mais pour le coup, je trouve que je m'améliore énormément dans la... Comment on pourrait dire ? Correspondance de la légende et de Béga. Donc c'est top. Alors là, sur l'image, par contre, il y a juste un truc où il y a quatre petits machins blancs. Je ne sais pas si je laisse en blanc ou si je les mets en noir pailleté. En blanc, ça fait... peu bizarre quoi, qu'en même temps ça doit faire partie du déco, je sais pas trop, bon on verra ça. Donc je suis contente parce que concrètement attendez, je cache pour que vous voyez, ouais j'ai tout qui s'enchaîne jusqu'à la page 10. J'ai vu sur le petit colo, le tracker, quand j'ai pris en photo l'autre, j'étais à 23%, donc je suppose que j'en ai fait 23 puisqu'il y en a 100, et donc là avec celui-là je suis à 24%. Voilà, donc là, je vais faire tout ce qui est clôture d'un colo, mettre la date, prendre en photo, éventuellement le partager sur Buddy Colo et le marquer dans mes coloriages terminés, mon bouquin. Vu que je note les illustrateurs, puisque je vais maintenant être plus assidue dans mon journal colo, eh ben, j'ai découvert que les vitraux, c'est Julien Levy. Eh ben, pour l'instant, j'en ai aucun de lui. Autant il y en a d'autres qui reviennent et ok, je commence à connaître les noms. Julien Levy, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Après, c'est très bien là, hein, le vitraux, enfin, moi j'aime bien. Hein. Donc là, on est sur page 9. Hop, et c'est quasiment que du Albrecht Dürer. Un peu de zone art, plus un zone art. Parce qu'il me manquait une couleur... de vert très 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 clair, limite un vert acidulé pomme, vous voyez. Voilà, et alors ce que j'ai décidé, c'est que ma vidéo des coloriages terminés, à la fin, pour celles et ceux qui seraient intéressés de voir, on fera ensemble le remplissage de mon journal colo. Comme ça, on fera le calcul, je colorierai mes petites cases du mois de janvier avec vous. Ouais. Et comme ça, je sais... Que, un, ben, j'oublierai pas de le faire. Puis deux, vous suivrez mon avancée de mon journal colo. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça. Voilà. Ben écoutez, hop, ça c'est noté. Je vais me mettre la date ici aussi. Mais dis donc, à côté, c'était fait en mai 2023. Oh, en plus, c'est le 24-24. C'est trop rigolo. J'adore quand les dates font ça. Est-ce que vous aussi, vous aimez quand les dates font ça? Rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas toute seule. Bon, ben, feu pour, non, le repas, ben, en fait, non, mais j'ai tous les restes. Il y a juste un petit truc que je leur ferai au dernier moment. On verra si elles aiment ça. Je vais leur faire. Alors, c'est ce que j'avais acheté à Action. Ce sont des... Alors là, ce serait sous forme de spaghettis, mais je crois que c'est du konjac, je crois. Et donc, ça n'a pas de goût, voilà. Et je compte leur mettre un peu de goût. Comme ça, elles mangeraient ça... avec le fond de purée aux haricots plats. Mais il n'en reste pas assez pour deux, en fait. C'est pour ça que j'essaye de partager. Et avec, pour les protéines, un œuf dur. Ouais, qui reste très suffisant. Et nous, avec Loïc, on va finir la
soupe de pâtes aux légumes que les filles n'ont pas trop aimé parce qu'en fait c'était carottes et poireaux et que les poireaux ont fait des filaments, alors du coup voilà. Et dedans, ah oui, c'est une soupe un peu particulière, il y avait des haricots blancs à la tomate. Et du coup, le goût de la tomate, en fait, Rebecca n'a pas du tout aimé le goût du bouillon. Enfin bref, comme d'hab, compliqué de plaire à tout le monde. Donc nous, ben, il en reste largement pour deux, voire trois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à manger? Ah oui, nous, il nous restait aussi des coquilles Saint-Jacques, donc je pense faire ça, mais quand il me dira qu'il part, parce que, ouais, il finit à 9h30, là. Par contre, je sais pas si moi, je vais résister, parce que j'ai déjà très fait. Voilà. Si je veux pas me gaver de conneries, c'est toujours un peu délicat. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, écoutez, là, ce que je vais faire, parce que, bon, je pense que c'est bien, et j'ai quasiment fait mais, deux colos aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression d'avoir plus ou moins finalisé deux colos. Je vais me mettre le fil à ma broderie et comme ça, je ferai un petit peu de point de croix. Là, ouais, je pense, avant d'aller chercher les filles, ça peut être pas mal, ça. Demain, donc, je tombe toujours sur les fesses quand je me dis, ah, mais c'est vrai, tu ne travailles pas demain, je suis trop contente. Donc, du coup, demain, j'ai, bon, la tête à me faire le matin. Je me laverai la tête. Et après, je me disais, pourquoi pas un petit live. Bon, un live version ici, quoi, avec la perche. Donc, je sais pas trop ce que ça donnerait. Mais juste un petit live, vous savez. Enfin, je m'aperçois que finalement, ce qui aussi me trottait un peu dans la tête, c'est pour ça que c'est l'année où je décide de moins réfléchir, mais je me suis posé la question de pourquoi effectivement les lives comme ça, j'y allais un peu à reculons des fois. Mais parce qu'en fait, je me dis qu'un live, c'est toute l'après-midi, par exemple. Mais en fait, c'est. Non. On peut décider que ce soit qu'une heure. Voilà, on se met un live pour une heure. On fait l'activité qu'on veut et puis on dit ciao, quoi. Enfin, je veux dire, rien ne nous oblige de faire des lives de 3 heures, quoi, en fait. Donc, c'est pas obligé de se dire si je me mets un live à 14 heures, eh ben, je quitte à 17 heures, quoi. Oui. Après, c'est vrai que des fois, quand on est dans l'ambiance, bon, on se dit, je resterai bien encore un peu. Mais ça peut se décider en fonction du monde qu'il y a et de. Voilà. Donc, je me dis, il faut plus trop que je me prenne aussi la carafe. Si j'ai envie, par exemple, de faire une activité et je me dis, ben, ce serait sympa de se mettre en live, eh ben voilà, je le ferai. Et si c'est qu'une heure le temps de faire cette activité, pourquoi pas? Le temps de blablater. C'est pour ça que, à la base, je voulais ouvrir aussi un peu Twitch. Mais je me disais que ce côté-là était beaucoup plus pertinent sur Twitch, en fait. Sans forcément être sur des horaires de fou. Mais bon, au final, je pense que sur YouTube, c'est tout à fait faisable de pas forcément faire des lives de 2 heures. Voilà. C'est moi qui suis maître de mes lives. Enfin voilà, donc je vous dis ça, mais je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop. Tout dépendra aussi du temps que j'ai, à quelle heure je me lève, le temps que je vais mettre à faire ma tête. Donc, mais c'est vrai que là, j'ai bien envie de me mettre un peu sur un petit truc, là, depuis un moment que je veux vous le faire. Et sinon, j'ai calculé quelque chose aussi. Vu que moi, je suis un petit peu multi-activité. Et qu'il y en a qui, des fois, disent, j'aimerais bien avancer mon truc, mais j'ai pas le temps parce que j'ai tendance à faire plus de colo, tout ça. Eh bien, je me dis, c'est une proposition, hein. Mais pour certaines qui ont du mal à se motiver, des fois, à aller dans autre chose que le colo et qu'elles voudraient, alors, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est le DP, mais bon, ça peut être de la broderie. Eh bien, je me dis que si des fois vous voulez un temps un petit peu où ben, c'est l'occasion de faire, on pourrait le faire ensemble en live. C'est-à-dire que du coup, je sais pas, par exemple, vous me dites, ben t'es là, Nadège, j'ai jamais le temps de faire du DP, ça te dit pas, on se fait un live DP. Eh ben voilà, ça changera d'un live colo. Et pourquoi pas se faire un live DP? Moi, ça ne me change rien parce que je fais plusieurs activités, donc l'une ou l'autre, vous avez bien vu, tout me va. Et la personne en question, au lieu pour une fois de se mettre sur du colo, elle se mettrait sur du DP. Moi, j'ai eu cette idée en écoutant Maëva, en fait, qui disait que son DP n'avance pas et qu'elle ne pense pas forcément à s'y mettre dessus ou je ne sais plus quand c'était, si c'était sur un live ou un color and chat, je ne sais plus. Bref, et j'ai eu cette idée. Je dis, mais moi, je m'en fiche d'un côté de faire du colo, du DP ou quoi. Donc, si à l'occasion, vous voulez faire des lives autres que colo, sachez que moi, je suis preneuse. Ça me gêne absolument pas si vous me dites, ben, ça te dit de faire un live, Nadège, mais pour le coup, pour me stimuler, me booster, on fait un DP plutôt. Eh ben, moi, je me mets un DP, il n'y a pas de souci. Hein. Ou si c'est broderie ou autre chose. Hein. Voilà. En tout cas, gardez-le derrière l'oreille, mais voilà, ça peut être l'occasion. Ou même sans faire un live duo, moi, je me mets sur un live où j'ai envie de faire un DP.
Ben vous, au lieu de faire du colo, par exemple, pendant ce live, ben dites-vous, elle fait du DP, ben je vais faire du DP avec elle. Enfin, avec elle. En même temps qu'elle fait. Voilà. Ça peut être aussi faisable. Que vous colliez plus ou moins à mon activité qui va vous booster pour aller dans une autre activité que le colo. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, je pense à sécher. J'attendais un petit peu qu'il sèche, mais je pense qu'on est bon. Ah ben non, il faut que je prenne la photo. Bon, ben dico. Allez, ben je prends ma photo et puis je prépare ma broderie et je pense que je vais finir mon vlog là. Enfin, je suis très loin des vlogs de Jess, donc de la chaîne Le Monde Coloré de Jess. Et je suis à son vlogmas encore. Par contre, j'ai vu qu'elle avait plein de doublons. Donc si jamais, bon, je sais qu'elle, voilà, elle échange avec d'autres de sa famille, je crois et tout, mais au cas où, en fonction des stickers que j'aurai, je pourrais peut-être faire des échanges avec elle. Voili voilou, c'est intéressant. Bon ben, je vous laisse là, pour l'instant, mais je reviens très vite. Hola, bon, je vous retrouve jeudi 25 janvier. Il est presque 11 h. Je suis en train de déjeuner à peine. Oh là là, c'est atroce, hein. Comme le temps passe trop vite. Alors au programme, en gros, ce qui s'est passé, enfin, au programme, ce qu'il y a eu comme programme, je me suis levée ben, vers 7 h 20 parce que j'ai entendu que les filles galéraient ce matin, donc je les ai un petit peu boostées, j'ai peigné, voilà. J'ai un petit peu boosté les gens en leur disant, vous dépêchez-vous, vous n'aurez pas le temps, bref, voilà. Puis je suis retournée me coucher. J'ai mis longtemps à m'endormir. Et alors, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai déliré complet. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que c'était quand on est en train de s'endormir et qu'on est, vous savez, dans une histoire? Je ne sais pas trop. Et l'idée, en fait, c'était que, donc, ils étaient censés être partis. Louis qui avait les filles à l'école. Et là, en fait, j'entends du bordel en bas et ils reviennent. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? Et il dit, bah, de toute façon, on ne peut pas passer. Il y a des gens partout. Je dis, comment ça, il y a des gens partout? Qu'est-ce que tu me dis et tout? Et j'ouvre la porte et en fait, dans notre jardin, grand et partout, partout dans notre rue et donc dans les. Ouais, dans le quartier, comme s'il y avait un énorme vide-grenier ou brocante. Mais les gens s'étaient permis en fait de venir dans mon jardin, poser leur table, leurs vieux meubles, leurs quincailleries à vendre. Vous voyez l'idée? Voilà. Donc le portail, le grand portail avait été explosé pour pouvoir passer, le portillon aussi. Et ma voiture, qui est garée devant, avait été mise au milieu de la route. Mais pourquoi et comment ils auraient eu les clés? Enfin, n'importe quoi, vous voyez. Et pour qu'ils puissent s'installer contre les murs et en fait pouvoir faire donc deux allées comme les vide-greniers, quoi. Mais alors, un bordel, un brouhaha. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes chez moi? Ah oui, mais aujourd'hui, c'est autorisé. C'est un vide-jardin, vide-brocante, vide-grenier, tout ça. Et quand on n'a pas de jardin, ben, on peut aller dans le jardin des autres. J'étais, mais n'importe quoi, en fait. Vous voyez le truc? Sauf que moi, je voyais l'heure tourner, il était quasiment 8 h 15. Ouais, je regarde l'heure, je dis à Louis, je dis, mais amène au moins quand même les filles à l'école. Il dit, mais je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer, ça ne sert à rien. Et puis, comment vous dire? D'un je m'en foutisme impressionnant. Et du coup, je disais, mais oh, réveille-toi, bouge-toi, râle. Tu vas pas laisser des inconnus chez nous. Et en fait, il était là. Ouais, je m'en fous. Enfin, je dis, mais ils nous saccagent tout. Ils sont en train de détruire tout ce qu'on a fait dehors. Enfin, ils nous ont pété le portail. Je dis, mais il faut porter plainte. Enfin, truc de dingue. Et puis, comment ils ont déplacé ma voiture? Ils ont pris les clés. Je dis, mais je vais aller récupérer ma voiture. En plus, elle doit rester ouverte. On va me la voler. Et en fait, le temps que je dise ça, que je sorte, ma voiture avait disparu. Je dis, putain, on m'a piqué ma bagnole. Alors, mais voyez ce sentiment que, oh mon Dieu, et je sais pas pourquoi. Bon, et c'est tout ce que je me rappelle. Donc, soit après, je me suis endormie, mais n'importe quoi. Le rêve, cauchemar de fou, quoi. Alors, d'un côté, je comprends un peu la signification de chaque truc. Bon, ben, que les filles soient à la bourre et tout, forcément, je m'étais levée pour, j'avais un petit peu peut-être ce stress-là. Les gens qui font bloc, qui pètent un peu tout, bon, mais ben, c'est par rapport à la situation actuellement avec les agriculteurs, je pense. Parce que hier soir, Loïc m'a dit, ah, demain, je risque peut-être d'être en retard, parce que déjà aujourd'hui, ça a été limite.
puisque y a des agriculteurs qui bloquent, or, je ne sais pas quelle voie, hein, de Perpignan. Et il dit, et du coup, je me suis retrouvée que, voilà, peut-être demain, là, c'était un petit peu plus fluide, mais demain, peut-être, je serai à la bourre et tout. Et je lui ai dit, écoute, tant pis, je laisserai les filles le temps d'aller à la danse, c'est pas grave, hein, enfin. Et donc, je pense qu'il y a ça qui s'est mélangé, voilà, dans mon esprit, ou cette crainte qu'ils soient peut-être bloqués par les agriculteurs, enfin, voilà. Il y avait le côté, bon, un petit peu agressif en parole par rapport, alors, je n'ai pas suivi l'histoire, mais j'ai su qu'il y avait eu un drame en Ariège, à Pamiers, avec justement le blocage des agriculteurs. Apparemment, une jeune fille qui aurait été décédée suite à ses blessures, mais je ne sais pas exactement quelles sont les circonstances. Je vous avoue que moi, les informations, franchement, pour entendre soit que du malheur, soit que de la guerre, soit que des conneries de politiciens, excusez-moi, mais voilà, aucun intérêt. Donc, c'est vrai que je ne suis plus du tout les informations. Je sais quelques trucs des fois, parce que bon, soit Loïc, parce que lui, il lit des trucs sur le téléphone, ou moi, j'ai des, vous savez, des sortes de pop-up là, qui vous disent un peu l'actualité. Je sais pas à quoi je m'étais. Une fois, j'avais dû dire oui, recevoir les notifications, et du coup, ça m'envoie les gros titres. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas les détails. Mais en tout cas, je pense que tous ces événements-là, on fait cet amalgame. Puis, bon, le côté de me voler la voiture, ben, ça c'est logique. Si elle a été déplacée, quelqu'un avait les clés. Donc, au moment où j'ai voulu la récupérer, elle s'est carapatée. Fait. Ah non, mais je vous assure que des trucs comme ça. Et puis, ça vous prend là, quoi. En fait, je préfère des rêves plus, plus chouettes. Érotiques, au moins, c'est plus sympa. Sinon, comme je vous disais la dernière fois que j'ai un mari en or, un amour. Hier, en fait. Lui, il fait plus le cours débutant à la country, mais en général, soit il reste dans la voiture, ou là, quand il fait pas trop bon, il rentre, mais bon, il discute avec le mari à la prof, enfin voilà. Il laisse faire le cours des filles. Hier, c'est vrai qu'il m'a dit, écoute, les deux, trois trucs qui manquent, si jamais, je vais vite te faire à Inter. Je lui ai dit, écoute, tu vas pas aller à Inter, en plus, c'est cher, non, on va faire ce week-end un compliment. On aura bien tenu quand même avec nos courses de 350 euros, là. Ça m'a tellement choqué. Ça m'a marqué. Je dis, ça fait plus de 3 semaines puisque c'était pour le mois de janvier. On arrive au bout. Bon, c'est pas mal quand même. On n'aura pas trop grillé notre budget bouffe. Je lui dis, va pas à Inter, ça coûte cher. Bon. Et quand je vais chercher les filles, en fait, il me dit, finalement, j'y suis allée à Inter. Il me dit, je n'avais pas forcément envie de faire le cours débutant. Et j'ai acheté deux, trois trucs que je me rappelais et tout. Et en fait, tout ça pour vous dire que il m'a acheté ma confiture. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne la trouve pas ailleurs. Drive Leclerc, ils l'ont pas. Super U non plus. Alors, les Drive, ils l'ont pas, peut-être dedans. Mais il n'y a qu'à Intermarché que je la trouve. Donc, c'est la marque Paquito. Mais c'est surtout que moi, il me faut bon, ben, du sans sucre ou allégé en sucre. Ça passe au niveau de mon diabète. Donc, c'est tout ce qui est la gamme allégé en sucre, bleu clair comme ça. Mais c'est surtout que c'est mangue ananas passion. J'adore, je l'adore parce qu'en fait, même si c'est allégé en sucre, c'est pas acide du tout, mais c'est un côté peps, et c'est ma préf, c'est ma préf. Je veux dire, à manger de la confiture, c'est celle-là que je veux, quoi. Voilà. J'en avais plus en stock d'habitude, Loïc qui m'en achetait quand on allait à Inter, et là, bon. Il est impossible de retrouver ailleurs, c'est-à-dire que j'ai tout. Oui, j'ai retrouvé des trucs allégés en sucre, à la mangue, mais non, j'aime pas que mangue. Et c'est, je pense, l'association des trois fruits, en fait, en tout cas, ça fait très bon. Alors, allégé en sucre, on est quand même sur 40 grammes, mais bon. C'est déjà pas mal. Voilà, il y a 30% de sucre en moins par rapport à une confiture classique. Bien sûr, le premier ingrédient, c'est du sucre. Après, vous avez de la mangue à 27%, de l'ananas à 18%, bon, de l'eau. Fruits de la passion, 5%, mais c'est pas plus mal parce que les fruits de la passion, c'est quand même acide. Puis voilà, pectine, acide, tout classique. Préparé avec 50 grammes de fruits pour 100 grammes. Bref, c'est ma confiture. Et c'est un amour parce qu'il y a pensé. Le seul truc qu'il n'a pas trouvé, c'est le Nestlé Cappuccino Caramel. Je ne comprends pas. Ils ne le font plus. Est-ce que ça ne se vendait pas? Mais du coup, il n'y a que le classique, le vanille ou je ne sais pas quoi. Le praliné, j'aime pas. Le noisette, j'aime pas. Enfin, bon, c'est le caramel. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, voilà. Fin de conversation. Hein, pour... Et donc, au final, oui, j'ai pas fini de vous dire. Une fois que j'ai... Oui, je vous ai raconté mon réveil, je me suis arrêtée là. Bref, du coup, mon réveil a sonné, mais un peu en décalé. Le temps que je me réveille, il était 9h15. Après, tour aux toilettes. Et vous savez que chez moi, les toilettes, c'est long, c'est sacré, mais c'est long. Donc, au club, c'était pas trop long. Bon, enfin, bref, peu importe.
Je me suis dit, tu vas te laver la tête et manque de bol, en ce moment on a des problèmes au niveau peut-être du calcaire qui se forme avec le gel, enfin bref, j'ai pas d'eau chaude. Et il se trouve que je m'étais dit, bon, c'est pas grave, d'ici 10 heures, tout ça, t'en auras quand même. Et en fait, non. Donc quand je mettais à l'eau chaude, ben, j'avais plus de pression. Et du coup, ben, j'ai pas... Donc j'ai pas pu me laver la tête. Voilà pourquoi je me suis faite les couettes là de caniche. C'est pas grave, je me laverai la tête sûrement demain après-midi. Et j'ai réussi quand même à me laver parce que le peu de chaud hein, avec un peu de pression, voilà, je me suis lavé le corps, c'est déjà ça. Et j'ai pas fait la tête parce que j'aurais pas pu. Et puis après, j'ai vidé la bassine de linge là-haut. J'ai lancé une autre machine. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, ben, il est 10h45. Voilà, super. Donc voilà pourquoi je déjeune à 11h. C'est pas grave. De toute façon, j'aurai moins à midi. Je comptais faire un live, mais vous vous doutez bien que là, 11h, le temps que je déjeune, en plus, moi, il me faut au moins bien 3 quarts d'heure. Donc il sera midi, je vais pas faire un live à midi. Bon, voilà. Déjà que dans mes créneaux, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de people, mais alors à midi, tout le monde mange. Ou... Quoique peut-être les gens seraient dispo sur leur temps de repos, de pause. Bon, enfin, peu importe, je vais pas me speeder vite, vite. Je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas me speeder. Et puis, tranquillou. C'était plus parce que je m'étais dit que je pouvais tenter avec la perche et de faire juste un petit sticker, mais je me dis peut-être dans l'après-midi. Je vais voir selon ma motivation. Voilà, je ne me fais pas de plan sur la comète sans me stresser au feeling. J'aimerais vraiment regarder mon film Teen Wolf aussi. Ça fait un petit moment que j'en parle et j'en ai très envie. Ah, hier, je ne vous ai pas dit, du coup, j'ai pu. Alors, je vous ai pas mal quand même dit au fur et à mesure ce que j'avais fait. Je suis assez contente quand même, j'arrive à bien colo, malgré que je sorte tous les quasiment 5 minutes. J'ai calculé le mercredi, je sors 5 fois avec la voiture pour aller chercher les filles, les ramener et tout. 5 fois. Temps normal, c'est 2 maxi la journée. Bon. Oui, je vous prends la broderie. Voilà, comme ça, je vous aurai fait un gros topo et je pourrai après passer à mon petit déj. Alors, le temps du cours des filles, en fait, voilà, le repas était prêt. Donc j'ai pu broder et je me suis attaquée au foncé. Et donc regardez comme ça commence à arriver. C'est le haut du chien. Voilà. Donc là en fait, ici là, ce que vous voyez, tout ce trou, c'est la même couleur, c'est le foncé, mais j'avais plus de fil. Voilà, j'avais plus de fil, donc j'ai dit c'est pas grave. Mais ça, je sais que déjà c'est la même couleur et je continuerai, je pense, avec elle. Quoi qu'attendez. Et après, j'en ai plus trop de cette. Ouais, donc je sais pas. Bon, je verrai. Ouais. Donc, vous voyez. Je le mets à côté. Oh, pas de reflet. Voilà. C'est bien ça a la même bouille, non? Gurduzo. C'est prometteur. Et voyez que malgré les erreurs, tout le cafouillage là que j'ai fait, ben, ça se voit pas vraiment. Hein. Je suis happy. Voilà. Contente parce que ça faisait très longtemps quand même que j'avais pas fait de broderie. Je vois que les réflexes sont là. On garde les habitudes. Et surtout, comme je vous ai dit, mon rattrapage, je suis très contente, effectivement. Ça se voit pas. Mais après, c'est logique. Vu que quand je me suis plantée, j'ai tout décalé de 1, ben finalement, c'est comme si oui, j'avais réduit un peu son oreille, mais j'ai gardé la même pixelisation, si on peut dire. Au programme, donc, je déjeune. Après déjeuner, je verrai si. Enfin, il faudra que je mange et tout ça. Je pense peut-être me mettre sur. Oui, parce que j'ai préparé un mystère aussi. Par rapport au bingo colo de Josie Colori. Donc, je suis allée. Alors, moi. Là, du coup, j'ai compris ce qu'elle veut qu'on fasse, mais moi, déjà à la base, le bingo colo, je l'avais adapté pour prendre que sur mes mystères. Je sais pas si, du coup, je me dis, c'est pas bête, est-ce que je prendrai pas? Donc, toujours pour mon mystère, c'est-à-dire que le numéro du livre, donc là, c'est numéro 2. Comme je les avais numérotés dans la logique, j'avais commencé avec les grands classiques, vous vous doutez bien que le numéro 2, ben, c'est les grands classiques, tome 2. Et c'est pas plus mal, parce que vous savez qu'avec ce principe-là, je me suis aperçue que j'étais allée une fois en 2022 et que la dernière fois que j'y suis allée, c'est en janvier 2023. Ce qui veut dire qu'en fait, là, eh ben, du coup, je vais faire mon troisième de janvier 2024. C'est fou, hein, il y a des bouquins, j'y vais souvent. Mais après, celui-là, c'est vrai que. Enfin, quoique si c'est Jérémy Mariaz, les îlots sont sympas, mais je sais pas, j'ai l'impression que les couleurs, c'est plus complexe. Bon, enfin, je pense une impression. Après, il y en a qui me. Voilà, qui m'attire plus que d'autres sans vraiment y avoir d'explication. En tout cas, je l'ai préparé, la page donc 6, je crois que c'est. Je vérifierai, mais je crois que c'était
Livre 2, page 6. Et donc après, pourquoi pas, je me disais, avec son principe, d'aller piocher également dans les hors mystères et faire, comme elle disait, prendre le deuxième. Mais, comme moi, je les ai rangés par type, c'est soit en gros, je le sais d'avance, et en bas, je tombe sur les blocs, soit c'est en haut et je tombe sur les grands formats. Alors, après, c'est pareil, je pourrais commencer de ce côté. Ouais. Tout dépend de quel côté je veux commencer, mais j'aimerais à le faire rester toujours sur le même côté. Sinon, c'est trop facile si je vais dans le côté qui me plaît. Vous voyez l'idée? Donc, je ne sais pas trop si j'aurai le temps aussi par rapport à tout. Donc, pour l'instant, je reste sur le bingo colo, les mystères. Si j'ai le temps, je fais son petit surplus d'aller piocher. Voilà. Mais je suis contente, du coup, que ça reparte. Donc, ça, je l'ai préparé hier. J'ai toujours de côté tout mon combo pour faire, ah oui, dans le bloc animaux. Et peut-être je vais me poser à faire ça. Parce que comme ça, j'irai chercher, ça va aller au colo. Ouais. Enfin, n'inquiétez pas, des choses à faire, j'en ai. Voilà. Je vous tiendrai informé de ce qu'il en est. Et peut-être ce soir, comme ça, je vous ferai un débrief. Ou peut-être au milieu de la journée. Hein. Je vais également transférer les vidéos pour commencer peut-être à monter un peu le vlog aussi. Je ne sais pas si là, je vous ai fait des séquences longues ou pas. Je sais qu'il y en a pas mal où je dois vous accélérer et mettre en musique. Allez, je vous reprends. Donc, pour certaines qui étaient là, vous le savez, cet après-midi, j'ai fait un live. On a fait un petit jeu. C'était très sympa. Voilà. Bon, là, j'ai récupéré les filles. On est vraiment à la bourre parce que vous ne savez pas ce qui nous est arrivé. Je récupère les filles. Sur le chemin de retour à la maison, donc avant d'arriver au feu, je vois un truc marron par terre. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Donc j'avance tout doucement. Et moi, j'écrase pas en systématique, hein, on sait jamais. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me dis, merde, mais c'est un chien. Et en fait, le chien venait d'être percuté, je pense. C'était tout récent. Et j'ai hésité. En un quart de seconde, j'ai dit, je contourne, je me barre. Et puis après, j'ai vu des voitures derrière moi. Et puis tout ça, je dis, ben non, il va se faire écraser et tout ça. Je peux pas le laisser là. Mais alors, c'était une demi-seconde où en fait, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je l'évite, je m'arrête. Voilà. Et puis du coup, j'ai dit, bon allez, je m'arrête, je l'amène au véto. Donc, j'ai mis les warnings, je suis allée le voir, je l'ai récupéré, pauvrette, il avait, bon, il était sur le côté, mais la jambe complètement dans l'autre sens, donc là, déjà, je me suis dit, bon, ben, il a dû être percuté au niveau de l'arrière-train, et sa jambe est pétée. Il couinait pas, il n'était pas agressif ni rien, donc bon, je l'ai porté, c'était un petit chien, hein, une sorte de, c'est plus grand qu'un Yorkshire, mais ouais, un petit chien, quoi, je sais pas du tout la race. Et du coup, après, j'ai mis dans le coffre. Et puis, genre, on l'a amené au véto. Et au véto, j'ai dit, écoutez, je viens de ramasser ce chien. Je pense qu'il a été percuté par une voiture. Il pouvait respirer. Oui, il bougeait un peu. Mais alors, du coup, bon, le véto l'a pris. Il l'a regardé, il l'a ausculté. Moi, je l'avais enroulé dans un plaid au cas où qu'il n'est pas trop froid. Et du coup, il dit, ouais, ça semblerait être pété et tout ça. J'ai dit, après, c'est bizarre quand même, il est tout gentil. Il dit rien. Il dit, bah, il est en état de choc et tout. Donc, il a de suite, de toute façon, bipé. Il a donné le bip de la puce à la secrétaire, à l'assistante, quoi. Et du coup, elle est allée appeler les proprios. Bon, avant ça, moi, je dis, bon, mais par contre, nous, on va rentrer. Du coup, qu'est-ce que il vous faut? Elle a dit, laissez-nous juste votre numéro de téléphone, votre nom. Voilà, donc, j'ai laissé. Et après, je sais que quand on est parti, elle a appelé les proprios. Voilà, bon. Mais j'espère qu'il va s'en remettre, qu'il va être sauvé. Et sinon, bon, ben, on aura fait quand même une bonne action. Après, ce pauvre chien, effectivement, il a été vraiment sous le choc. Hein. Je savais qu'il était à quelqu'un, puisqu'il y avait un collier jaune, mais bon, j'avais pas m'amusé à faire toutes les baraques, surtout que je savais pas de quel coin. Et je me suis dit, dans tous les cas, il aura une puce, voilà. Et sinon, bon, ben, le véto, je sais pas dans ce cas-là comment il se débrouille, est-ce qu'après, il faut appeler à la SPA ou pas, je sais pas. Au pire, je m'étais dit, si c'est trop long, qu'il y a du monde qui n'est pas dispo, tant pis, j'irai pas là-dedans. Mais bon, ça a été. Il n'y avait personne. Hop. Voilà, et sinon, j'ai commencé à pointer les colos du colo bac. Et bien, vous êtes encore pas mal à avoir participé. Hein. Alors, j'ai pas fini. Après ça, du coup, on va faire les devoirs avec Lorena avant que je parte. Bon, moi, je me compte pas. 1, 2. Ah, mais c'est la même personne. Ah, mais c'est pour ça. Je l'ai noté à deux endroits. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 pour l'instant, 10 et moi 11, là, dis donc. Et j'ai pas fini, je sais qu'il m'en reste encore à pointer. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, de toute façon, je vous le redis là, mais essayez de, ouais, de pas me les envoyer vraiment au dernier moment, parce que pour un peu que je m'organise et que voilà, je peux anticiper, j'aimerais bien vous la sortir des fois au début du mois. Donc,
C'est vrai que je vous dis le 30, dans tous les cas, comme ça. Moi, ça me laisse le 31 de rab au cas où, mais essayez de ne pas louper. Enfin, ne me les envoyez pas le 31 à minuit, quoi. C'est quand même un petit peu risqué. C'est ça que je veux dire. Si vous voulez vraiment qu'ils soient comptabilisés, après, il n'y a pas mort d'homme en soi, hein, mais ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser. On va se mettre au devoir rapido. Dans 3 à 4 minutes, je pars. Je ne sais pas ce qu'elles vont manger les filles. Sûrement, on va ouvrir la boîte ravioli aux légumes. Ça ira très bien. Voilà, mais je vais laisser gérer le papa. Allez, je vous dis à plus tard. Hola, je vous reprends. Donc ça y est, je suis revenue de la contrée. On a mangé, on a un peu causé. Je parle le jeudi, on n'a pas les filles et on se fait des débriefs comme ça. Voilà. Là, il est 10h40. Je vous prends parce que je voulais vous dire que j'ai fini de pointer vos colos du colobac. Pour l'instant, je me suis pris pour une fois, je veux dire, en avance entre donc Instagram et surtout les mails. Bon, ben on est pas mal à savoir, comme ça on sait jamais, hein, si ça vous dit sur la dernière ligne droite. Alors en même temps, en dernière ligne droite, il vous reste 2 jours. Mais on a 0 colo pour le titre et 0 colo pour le plat. Bon, en même temps, R et Z, hein, si le plat, on aurait pu faire des raviolis, des rouleaux de printemps. Ah, mais si, j'ai le radis de je sais plus qui. Ah, de Sandrine. Eh oui, mais radis, eh oui, mais non, ben on l'a mis dans fruits et légumes. Ouais. Non, oui, le plat, c'est vraiment un plat, quelque chose à manger. Ratatouille, on aurait pu. Ouais. C'est vrai qu'on aurait pu se faire un truc de ratatouille. Enfin, un plat, hein. Pas le dessin animé. Bon, enfin, voilà. Peut-être que d'ici le 30, je vais en recevoir d'autres, mais pour l'instant, on est pas mal, hein. Au niveau points, en toute franchise, je ne peux pas dire qui a gagné, parce que, enfin si, une personne qui sort un peu du lot, mais des fois, avec le double des points, n'oublions pas que, mine de rien, la catégorie Switch est doublée, donc s'il y en a certains qui, voilà, fait la catégorie Switch, enfin voilà, du coup, c'était pour vous dire ça, et sinon, pour malheureusement vous donner aussi l'info, le propriétaire de la, alors c'était une petite chienne, elle s'appelait Loli. Et du coup, ben, malheureusement, ils ne peuvent pas la sauver. Voilà. Alors après, il ne m'a pas donné plus de détails. Donc je ne sais pas si en gros, ça demande énormément au niveau argent et ils ne peuvent pas. Et donc ils font le choix, voilà, de la laisser partir. Ou est-ce qu'en gros, il m'a dit on ne peut pas la sauver parce que ben, son état était beaucoup trop... Son pronostic vital était trop engagé et qu'elle a succombé à ses blessures. Voilà. Après... J'ai fait mon maximum. Bon, il m'a remercié d'avoir pu l'amener aussi rapidement au vétérinaire. Mais c'est vrai que ça aurait été quand même bien que cette bonne action se termine bien, on va dire. Donc voilà, je dirai demain aux filles. Ça risque de les faire un petit peu pleurer. Il bon. Faut aussi qu'elles soient confrontées à ce genre de choses, hein, parce que la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Et puis ça leur... Enfin, je vais essayer de, même si elles le savent, de rebondir sur ça pour vraiment appuyer sur les dangers de la route. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que, comme je leur expliquais, parce qu'elle me dit, mais maman, pourquoi, qui l'a laissé et tout ça. Et c'est vrai que j'ai dit, bah, écoutez, sans doute qu'une voiture, quelqu'un l'a tamponné et bah, il s'est barré. Voilà. C'est un mais il s'est barré. Et j'ai dit, mais nous, voilà. On la voyage, je lui dis, ouais, maman, elle a fait le choix de l'amener, mais je lui dis, c'est pas dit que ça lui sauve la vie, mais bon, déjà, au moins, elle aura eu cette chance. Et elle m'a dit, quand on l'a amenée au véto et qu'on en est sorti après, elle me dit, bon, mais en tout cas, maman, nous, on est de bonnes personnes. Je lui dis, oui, on essaye, en tout cas. Mais bon, c'est un peu tristouné, quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo, enfin, c'est rigolo, entre guillemets, mais je m'aperçois que je pleure beaucoup plus facilement pour des animaux que les êtres humains. Bon, après, moi, il faut dire que je travaille avec des êtres humains, oui, qui également arrivent au bout de leur vie. Mais c'est des personnes âgées, peut-être qu'inconsciemment, je me dis, bon, c'est la vie, en gros, voilà. Elles ont fait leur temps, et c'est la vie, ouais. Bon, après, peut-être que cette petite chienne n'était pas toute jeune non plus, et que c'est pour ça qu'elle a succombé, mais bon, quand même. Là où je trouve... comment vous dire, c'est quel mot, un petit peu impardonnable,
c'est que la personne qui l'a tamponné aurait pu au moins faire l'effort de l'amener, quoi. Je veux dire, ça peut arriver, hein. C'est la nuit, c'est mal éclairé, tout aussi bien, elle lui a surgi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais ne te barre pas, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça? Enfin, ça aurait été un gamin, si vous, ça aurait été la même chose, quoi. Le mec, enfin, mec ou femme, d'ailleurs, je ne sais rien. Mais, à se barrer, délit de fuite, quoi. Parce que vraiment, les animaux, ils s'en foutent, entre guillemets, des conséquences. C'est sûr que pour un enfant, ben, il y aurait enquête, recherche et tout ça. Alors que pour les animaux, pff, ils tamponnent, ils sont cognent, ils se barrent. C'est écœurant. Voilà. Bon, enfin voilà. C'est pas une super note positive, mais... On va essayer d'égayer un peu ça. Je vais vous parler de ce que je compte faire ce soir. Bon, sinon, Cendrillon, elle m'a envoyé donc notre portrait. Enfin, de star, notre duo. Et je suis trop contente de voir que... Enfin, c'est fou des fois. Comment... C'est quoi l'expression? Je sais plus. Mais bon, les esprits se rencontrent, voilà. Parce que du coup, elle a choisi quasiment le même dégradé que moi, voilà. Enfin, ça, c'est, moi, c'est un hasard, puisque j'avais préparé 4 dégradés, et que, bon, il se trouve que, voilà, j'ai dit, allez hop, je fais le 4e. Mais c'est un truc de fou, voilà. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai qui me traîne un peu dans le coin? Bon, j'ai la broderie, que du coup, j'ai pas avancé, puisque cet après-midi, étant donné que je me suis mise en live pour faire le jeu, je n'ai pas regardé toujours mon film, là. Voilà, donc je suis allée, alors attendez, vous avez parlé que du coup pour faire le bingo colo de Josie, c'est celui-là puisque c'est le tome 2 et que c'est le numéro 2 qu'elle a tiré. Et j'ai préparé, normalement c'était la page 6, ouais c'est ça, tout au bas du rein. Moi je vous montre la page, pour l'instant il n'y a rien, voilà. Donc c'est cette page-là, voilà, j'ai préparé tous mes coloris, donc au choix. Soit je me mets là-dessus en regardant des vidéos. J'ai également sorti le petit carré bébé animaux. On ne le voit plus du tout passer. De toute façon, on ne voit même plus trop passer les petits carrés. Par boule de poils. Pas de Disney, hein, de Diane Dufour. Moi, en fait, je les avais achetés pour la plupart des petits carrés en, ben, sur Vinted ou Le Bon Coin. Et c'est vrai que ben, j'y suis pas vraiment allée dans ces trucs-là. Et pourtant, j'aime bien parce que pour le coup, petit carré, moi, je trouve ça très sympa. Il y en a. Voilà, en général, vous avez un petit un élément. Alors, j'essaye de chercher un. Alors, il y a là, il y en a un de fait, mais c'est pas moi. C'est fait par la personne qui l'a très très bien fait. La personne qui m'a vendu le livre. Et d'ailleurs, vous reconnaissez celui que j'avais fait dans le blog Mosaïque. Exactement la même bouille. Quand je vous dis que c'est exactement les mêmes couleurs. Alors, apparemment, la personne s'était amusée à faire ça aussi. Pourquoi pas? C'est une idée. Ça peut calmer les nerfs, hein, c'est comme les mandalas. Et alors, moi, ce que je voulais vous montrer, donc l'idée, c'est de faire... Pourquoi, en fait, je suis allée dans celui-là? Vous allez me dire, pourquoi tu es allée dans celui-là? Mais pourquoi? Parce que j'essaye un petit peu de prendre des idées sur les différentes chaînes pour aller encore plus dans ma colothèque et avoir une raison de choisir un livre, en fait. Et c'est, attendez que je ne me trompe pas, hein, mais je crois que c'est celui-là, c'est le livre à l'honneur de Anne Sokolo, je crois que c'est sa chaîne, donc qui a décidé de mettre, je crois, tous les mois un livre à l'honneur pour y aller. Voilà. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas avec un tirage de Buddy Colo, peut-être. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Et je crois, si je ne me suis pas plantée, que c'est le carré bébé animaux, ce mois-ci. Alors je me suis bêtée, pourquoi pas. Surtout qu'en plus, regardez ce que j'ai trouvé. Des colos comme ça. Vous sentez mon côté fainéant, hein? Ouais, ouais, vous le sentez, là. Donc, il est blanc et noir. Donc, vous avez compris que, au pire, c'est pour faire le fond. Mais je me dis que, vous savez à quel point j'adore faire les fonds. Et ça, c'est comme j'adore les sushis. Et donc, c'est ironique, bien sûr. Enfin, ça devient moins ironique. C'est pas que je kiffe les fonds, mais ils me font moins peur. Bon. Mais je me dis que dans des petits carrés comme ça, avec des élus simples, ça peut être intéressant de travailler les fonds. Et puis si je me plante, je me plante. Hein. C'est pas comme si j'avais 11 000 colos, n'est-il pas? Donc il y a ça. Il y a l'autre à côté, qui est tout gris. Aussi. Why not? Et sinon, un truc qui est fabuleux, et que j'ai dit, ah mais ça c'est le sketch.
Parce que comme je regardais tout le bouquin, forcément, c'est pas passé inaperçu. Voilà. Donc, sinon, si on ne va pas trop s'embêter, la partie avec créatures marines ou fonds marins ou je ne sais pas qui, d'accord ? Vous avez bébé Dory. Okay. Là, vous avez bébé, je ne sais plus comment il s'appelle, marin. Non, Nemo. J'étais sur le père. Et là, qui c'est qu'on a ? Oh, on a bébé Dory. Donc, si on a un combo pour l'un, on a celui-là. Et celui-là, franchement, vous la faites rapido, bébé Dory. Et c'est des algues. Après, ça peut être des algues pas forcément vertes. Je me dis que ça peut être comme des coraux. Des trucs un peu roses, jaunes. Ça peut être sympa. Et alors, non mais attendez, bah, c'est pas ça le plus fort. Le plus fort du plus fort du plus fort. À Hachette, ils sont forts. C'est que... Attendez, parce qu'elle n'est pas si loin que ça. C'est qu'elle est... Ah, ben voilà. Regardez qui je retrouve. Bébé Dory. Dans exactement la même position. Sauf que oui, c'est vrai, on n'a pas le cucu, là. On n'a pas un cucu. Clac. Donc, dans un sens, vous l'avez entière avec un fond, mais alors, pareil que le dalmatien. Why not? Pour s'entraîner. Et sinon, je sais très bien que si je me lance dans bébé Dory, ben, je ferai celui-là et celui-là. Et comme ça, j'y suis jamais allé et j'y vais, j'en fais deux de pète. Voire trois si je fais le dalmatien. Non, mais voilà, ça m'a fait rire. Puis c'est pareil, on a à nouveau bébé Nemo avec la bébé tortue. Et tout le long, c'est Ariel et Pouchot aussi. Ah ben oui, encore bébé Nemo. Alors celui-là, par contre, il a faux. Déjà, pour comprendre qui va avec quoi et quoi va avec qui. Oui, ok, c'est Pouchot et Sébastien, mais alors... j'en ai mal aux yeux rien que d'essayer de déchiffrer le truc. Après, c'est sûr, hein, ça peut être vraiment le côté très mandala. Et juste derrière, rebelote. Ça vient de me faire tilt qu'au pire, vu que cette phrase est affreuse. On pourrait faire au feutre à alcool. Comme ça, je m'en fous. Le derrière. Mais il y a de l'idée, là. Il y a de l'idée. Donc, ouais, j'ai encore la bébé tortue, là. Déjà que les fonds marins, c'est pas trop mon kiff. Mais alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit... abusé. T'es. Les trois petits os que j'ai fait dans le vitraux. Hein, je pourrais très bien utiliser. Ah, mais ça, c'est sympa, Dumbo. Comme il y a un fond noir, j'aime bien quand c'est comme ça. Enfin, c'est pas un fond noir, c'est l'intérieur de son oreille qui est noir. Là, c'est pareil, je me suis dit, ben, il est pas compliqué celui-là. On fait hey hey, et puis le fond, vous mettez du pastel, du néocolore, de la peinture. Est-ce qu'il y en a un autre un petit peu simple? Bon, celui-là, réellement, il est simple. Elle est pas. Voilà, elle est noire. Vous avez surtout les fleurs à faire, le fond. Non, c'est vrai que c'est dommage, on le voit plus. Et enfin, les petits carrés, en tout cas, moi, je les trouve pratiques. Et c'est vrai qu'ils avaient été un peu pensés avec vous avez le perso, et puis le fond, vous faites ce que vous voulez, quoi. En tout cas, quand je l'ai regardé, j'en ai plein qui me donnent envie. Ah, c'est celui-là aussi que je voulais. Je savais que j'en avais un autre. Coco lapin. Lapin jaune. Le fond, c'est des espèces de tournesol. Je vois bien faire une sorte de camailleux de jaune-orangé, là. Vous voyez ? Ça me vient. Alors, celle-là, c'est le devant, quand il est dans la barque. Vous l'avez dans le grand vitraux. Je l'ai fait en mosaïque. Enfin, en vitraux. Vous l'avez dans... Je sais plus où, forêt férique, enfin je sais plus, mais bon, vous l'avez un peu partout, celui-là aussi. Côté yabouriqué, c'est pareil, assez simple. Winnie. Alors celui-là, c'est le jackpot de tous. Si je voulais vraiment ne pas me faire yèche. Les petites fleurs, le Pascal, et basta, les petits papillons. Mais je le ferai peut-être. Ah, c'est pareil, qu'est-ce que vous voulez faire? Toute la page en marron? Non, mais enfin, je sais pas, mais ils avaient quoi en tête? Encore celui-là, vous voyez, ça, oui, c'est sympathique. Voilà, c'est joli, ça donne envie, ça. On se dit qu'il y a un peu de travail à faire aussi. Enfin, je m'entends, un peu de travail comme moi, je sais le faire. Allez, pourquoi pas, au pire, celui-là, ça peut être détente. On répète. Bref, bon, le but, c'était pas non plus de vous faire... Alors là, en quoi il est bébé, là? On m'explique? Ça, c'est un peu comme le grand carré, la petite poupée qui est sortie, et que j'ai regardé un flip que... La personne disait, mais... Ah, mais pour Lilo. Que finalement, pas vraiment plus bébé que ça. Enfin, plus poupée que ça. Ah, ben là, c'est pareil. Mouchou, bébé. Autant lui, oui. En plus, ils lui ont mis une sucette. Là, il fait chou, il fait bébé. Bon, celui-là, hein. On n'a plus besoin de... Alors que j'adore Hercule, mais là, voilà, hein. Bon, Arlo, je connais pas trop. Là, à nouveau, Mouchou. Tout seul avec son fond. Arlo, là, l'eau à large et à travers. Alors, celle-là, en plus, ça pique un peu les yeux. Je
sais même pas s'il s'appelle Arlo, en fait. J'ai jamais vu ce dessin animé. Après, animaux anthropomorphes. Cendrillon, ok, Tic et Tac. En quoi Tic et Tac, ils sont anthropomorphes? C'est des écureuils, c'est tout, non? Je veux dire, ils parlent. Ah, ouais, ils parlent entre eux, mais... Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire, anthropomorphe? Parce que là, je suis d'accord. Elle parle, lui, il cause. Donc, oui, des animaux qui causent, ok. D'accord, Ratatouille. Chicken Run. Non, c'est pas Chicken Run. Comment c'est, là, l'espèce de poussin canard? Ah, oh, je sais plus. J'ai perdu le nom. Bon, et ben voilà. Je vous ai fait un peu tout le... Du coup, je vous ai fait tout le détail de ce truc de bébé animaux. Non, mais parce que comme je l'ai regardé, que c'est des trucs, je me suis dit, ben, t'es partage-le avec ta communauté. Voilà, et puis après, j'ai toujours le blog mosaïque aussi, et éventuellement le blog animaux et créatures fantastiques. Bref, vous avez compris, j'ai des choses, mais pas vraiment motivée. Je pense que j'ai peut-être pas cassé trop la nénette, mais peut-être aller vers un bébé animaux. Un simple, là, j'ai créé aquarelle, hein. Pour changer du mystère, vraiment, parce que je me disais de faire Dory. Comme ça, je la fais au crayon aquarellable et j'aurais plus que le fond à faire. Et je la fais. Ouais, non. Vous allez vous dire, je la fais à chaque fois que je la vois. Mais non, parce que ça risque de me faire des whips, ça. Si je ne les termine pas. Ou alors, je choisis un autre que les fonds marins. Je me prends pas trop le chou, là. Comme je vous avais dit, les espèces de papier peint. Hein. Je choisis une couleur et puis allez, hop. Navangangang. Je peux le faire, là, pour bugger devant la télé. Enfin, devant les vidéos, parce que lui qui joue. Son jeu, c'est l'extension ou le DLC de Final Fantasy. Il a fait exprès de le finir parce que le 29 février, je sais plus ce qui sort, mais enfin, il y a un truc qu'il veut à tout prix qui sort. Et il voulait avoir tout refait avant le 29 février. Bref, allez, je vous laisse là. J'aime bien ce côté, j'ai réussi, vous voyez, comme je fais souvent ça, j'ai réussi à m'entortiller. Celle-là, nickel, la version un peu anglaise. Or, celle-là, j'arrive pas, pas du tout. Elle veut pas. C'est à droite et que je le fais pas souvent. Je fais souvent à gauche. Ah si, ça vient. Il faudrait que je le fasse plus. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir. Et puis, je vous dis sûrement à demain. De toute façon, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ce week-end? Samedi. Et oui, je vous ai pas dit. Je compte m'acheter. Ça y est, tout ce que je voulais est sorti. Donc, potentiellement, j'ai 5 livres à acheter. Alors, un qui n'est pas sorti encore, ce serait une précommande. Mais dans tous les cas, je sais que je le veux. C'est le mystère, famille. Et après, j'en ai 4 autres. Mais je me tâte à... Est-ce que j'attendrai pas un peu qu'ils atterrissent sur Vinted? Mais c'est pas dit qu'ils atterrissent sur Vinted. Et même si je me dis, t'as plein de livres, c'est abusé, je sais que ceux-là, je les veux vraiment. Donc, je pense que, ouais, je me les achèterai. Et donc, je voulais les acheter à la FNAC, puisque Loïc a pris le truc pour être adhérent, et qu'on avait 5%. Mais que nini, je vois pas du tout l'intérêt, en fait, d'être adhérent. Parce que les 5%, c'est uniquement si vous retirez un magasin, d'accord? Bon, mais moi, si je voulais retirer un magasin, enfin, je veux dire, ça se saurait si je me déplaçais. Donc, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, t'as 5%, ça réduisait de 3 euros et quelques. Et je dis, bon, allez, mais tu gagnes, du coup, tes frais de port. Voilà, puisqu'en plus, la somme, ça passe qu'à 0,01 de livraison. Et en fait, non, ça ne marche pas en livraison, c'est que retrait en magasin. Donc, je n'ai pas ces 5% qui, de toute façon, ne font pas gagner les frais de port puisque je dois me déplacer pour les avoir. Vous voyez l'idée? Enfin, bref. Okay. Enfin, moi, pour l'instant, comme ça, je ne vois pas l'intérêt d'être adhérent. Parce que si tu ne veux pas aller en magasin, que tu fais par envoi, ça ne marche pas. En plus, comme tu es adhérent FNAC, mon site Poulpeo, qui me fait du cashback, ne fonctionne pas. Donc, je perds Poupéo, je perds mes 5% parce qu'il faudrait aller à un magasin et que ça ne marche pas sur Internet. Et en plus, je ne peux même pas utiliser ma carte e-cadeau si c'est retrait en magasin. Ce qui veut dire que pour utiliser ma carte e-cadeau, je suis obligée de faire en livraison. Et en livraison, je perds mes 5%. Vous voyez? Donc, oui, réellement, il faudrait que j'aille au magasin et que je paye directement au magasin. Et là, je peux utiliser ma carte e-cadeau et avoir mes 5%. Mais bon... En gros, être adhérent, il faut te déplacer. Enfin, non, franchement, si vous y voyez l'intérêt, vous, d'être adhérent. Molo qui me dit, ouais, je l'ai prise parce que c'était gratuit. Mais... Au final, si je veux l'acheter, ben, encore une fois, c'est Cultura ou Amazon qu'on fait. C'est ballot, mais bon, c'est n'importe quoi. Après, je ne sais pas si Cultura les a, mes livres. Ah, mais d'ailleurs, je peux aller voir ça.
Bref, tout ça pour vous dire que samedi, ouais, je ne sais pas si on va aller quelque part, mais dans tous les cas, j'aimerais bien aller m'acheter mes bouquins. Et ensuite, non, il n'y a rien de particulier ce week-end. On n'a vraiment rien de prévu et ça va faire du bien. Bon, ben allez, je vous ai fait déjà méga, méga long cette séquence. Donc, je vous laisse les loulous. Bonne nuit à ceux qui font le vlog en plusieurs fois. Et on se retrouve demain. Hola, bon, je vous retrouve pour ce vendredi 26 janvier. Je crois pas vous avoir pris ce matin. Donc là, il est 14h10. On vient de finir de manger. Loïc est reparti au travail. Et moi, je viens de m'installer. Je me suis dit, tu vas leur faire le débrief avant de te lancer dans tout ton truc. Alors, au programme de l'après-midi, j'aimerais au moins commencer mon ILU dans celui-là. Je pense que je vais partir... Ah, ben je ne me suis pas pris les combos, super. Bon, sur lui. Parce que j'ai prévu lui au Derwent Intense et elle au Albrecht Dürer. Le fond, je n'ai pas encore trop d'idées, je me dis, on verra. Voilà. Mais 26, on est bientôt à la fin du mois, donc il faut que je me mette un coup de pied aux fesses. Voilà. Donc, j'ai ça de prévu. Soit je fais ça en bugant devant des vidéos qui tournent. Il y a également mon vlog que j'aimerais commencer à monter. Ça va me faire gagner du temps. Non, non. Et sinon, normalement, demain, j'ai prévu d'aller m'acheter mes 5 bouquets, mais pas vraiment, puisque celui-là n'est pas encore sorti. Voilà, là, je vous montre déjà mes achats. Voilà. J'ai une carte cadeau, donc pourquoi ? J'ai voulu hier faire, comme je vous expliquais avec la FNAC, mais il n'y a rien qui fonctionne au niveau avantage pour moi, si je fais sur Internet. Donc j'ai dit, c'est pas grave, tant pis pour eux, je vais aller voir à Cultura pour anticiper pour demain et être dans ce coin-là. Eh bien, le truc, c'est que j'ai mis choisir mon magasin, donc moi, j'en ai qu'un, à Rivesaltes. Et il n'y a rien, c'est fabuleux. Il n'y a presque aucun des bouquins que je veux. Voilà. Alors, bon, je regarderai aujourd'hui, peut-être c'était hier, je me dis, voilà, la sortie étant récente, ils n'ont pas encore reçu. Bon. Mais il y a de fortes chances qu'au final, on ira. On va se déplacer à la FNAC, au moins il semble y être, et je pourrais bénéficier des 5% et utiliser ma carte cadeau. Bref, ça c'est pour les petites péripéties d'achat. Sinon, avec Loïc, on a commencé à regarder en replay les nouveaux portraits des agriculteurs de la Morée dans le Pré. C'est une émission que, voilà, je ne loupe pas, on va dire, de me la faire en replay, parce que vous savez que maintenant, moi, la télé, c'est niette, il y a trop de pubs, et même en replay, voilà. Mais bon, au moins, on peut faire pause, on peut avancer, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu chou. Et il y en a un en Occitanie, il est trop choupinou. Puis il y en a un autre aussi que j'aime bien, là, c'est Renault, pour l'instant. Voilà. Après, quoi vous raconter d'autre? Non. Il fait très bon aujourd'hui. J'avais espéré pouvoir tenir dans ma véranda, mais c'est quand même un peu limité. Il fait 17 degrés et je sens le froid s'infiltrer un peu, vous voyez. Donc, je me dis, c'est un peu couillon de mettre le petit chauffage, alors que là, ici, il est, ouais, il fait 22 degrés 6, sans clim, sans poil. Bon, je supporte mon pull, mais Loïc est un t-shirt. Et c'est vrai qu'il n'y a pas méga soleil, mais ça n'empêche qu'il fait bon. Donc, je ne vais pas enclencher un petit chauffe-eau, rien que pour être dans ma pièce. Je vais m'allumer la lumière, ça ira très bien. Tant qu'il n'a pas de réunion, Loïc, en plus, voilà. On se gêne pas. Et sinon, rien de plus pour l'instant au programme. On va essayer quand même de se motiver à faire quelques trucs ce week-end, mais bon, franchement, ça le prend cool. Il y a des choses à faire, certes, mais ils seront toujours là demain. Sur le coup, c'est ce qu'on se dit. D'habitude, on se dit, allez, non, ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais, mais là, bon, et je vous laisse. Je vais pas vous faire trop long. Je vous tiendrai au courant, peut-être ce soir, de ce que j'ai fait. Et sinon, je vous prendrai demain. Et comme ça, après, je vous clôturerai. Peut-être après mes achats, si jamais j'ai pu aller les faire. Bon, je vous reprends. Ça y est, il est 18h. Je vais aller chercher les filles. Mais écoutez, je n'ai pas du tout touché au vlog. Mais j'ai bien avancé mes vidéos. Et surtout, j'ai bien avancé dans ce vlog. Et là, je vais vous montrer. Alors là, il me manque l'étape d'aquarellé. Je viens de faire les... Je sais pas ce que c'est, si c'est des fenêtres ou pas, j'en sais rien. Bon, de toute façon, vu qu'on est dans un truc un petit peu industriel, je suis partie sur ce bleu-gris. Donc là, vous allez voir les personnages entièrement faits au crayon aquarellable, mes combos.
Moi, toute seule. Je suis trop contente parce qu'en fait, je trouve qu'ils sont excellents. Voilà. Pour une fois, Ouais, voilà, je me la pète. Mais j'adore. Et puis là, le fond, j'aime beaucoup. Et je suis même en train de penser. Alors, c'est vrai que le papier des blocs, ben déjà, un, il est super parce qu'il supporte super bien l'aquarelle. Et qu'en fait, c'est le pied. Comme ça, je peux avoir mon couloir tranquille. Alors, c'est vrai que c'est plus joli après quand vous avez un livre, mais bon. Les livres, le problème, c'est qu'on a. On a les deux faces qui ont colo alors. Enfin bref, peu importe. Allez, je vous montre. En une après-midi, regardez ça. Si c'est pas la classe. Alors, Célia, parce que j'ai su qu'elle s'appelait Célia. Donc Célia est entièrement faite. Vous savez, j'ai l'impression de faire un peu comme un défilé de mode où ils disent machin. Est habillée par tel créateur et coiffée par tel. C'est un peu pareil. Bon, donc Célia est entièrement faite au Albrecht Dürer. Voilà. Alors, oui, c'est sûr que on trouve un peu de. Comment dire? En fait, j'ai réussi, je pense, à me détacher un petit peu, comment dire, de l'excellence que j'aurais voulu obtenir des personnages Disney. Je ne sais pas si c'est français ce que je veux dire. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est vrai que je me disais, c'est bien les Disney parce que. Ben, les couleurs sont plus ou moins déjà définies, il n'y a plus qu'à les copier-coller. Et en même temps, c'est toujours compliqué parce que quand vous prenez des photos de référence, eh ben, les couleurs, elles sont des fois oui, des fois non. Des fois. Et je me dis, ouais, mais c'est chiant, et du coup, je ne faisais pas. Et en fait, je me suis dit, mais après tout, peu importe. Effectivement, en fonction des photos, l'essentiel, c'est que elle est couleur violette, les cheveux sont un petit peu plus violet foncé, et la robe est en vert. Donc, voilà. Après, oui, la robe est peut-être normalement un petit peu plus vert prairie, un petit peu plus vert je sais pas quoi. Oui, mais on s'en fout. Là, c'est celle-là, c'est tout. Et pour Mister Bob, là, entièrement au Intense, j'adore l'œil. Regardez-moi ça. Voilà. Alors, il manque encore, je ferai des petits filaments de blanc, je pense, pour apporter un petit peu plus ce côté, vous voyez, là. Mais là, déjà, rien qu'au Intense, voilà, j'adore. Le micro aussi est au Intense. Voilà. Alors, ce qui restait en blanc, c'est parce que je finirai avec un petit côté stylo gel pailleté. Voilà. J'adore aussi sa corne, ses griffes. Voilà. J'adore. Et donc là, le fond, ben, je fais un côté un peu industriel. Voilà. Allez, je vais chercher mes deux monstres. Et puis après. Je vais voir si je peux finir d'aquareller et finir au moins le contour. Et alors, j'ai décidé que le fond, là, il y en a un peu trop. Peut-être plutôt néocolore ou aquarelle. Voilà. Pour faire un fond, finalement, un peu béton, quoi. Enfin, béton. L'image que j'ai, ouais, tout dépend s'il est éclairé ou pas, en fait, le sol. Donc, bon, ça fait un peu blanc cassé, finalement, le sol. Et puis après, ben, je ne sais pas comment je ferai ces sortes de rayons. On verra. Et puis sinon, ouais, je sais pas trop. Mais bon, je m'en prends pas le choix. Voilà. Mais je suis très contente parce que j'adore le résultat des persos. Et au moins, j'ai un combo pour ces deux personnages maintenant. Quand je les retrouverai, je pourrai directement les faire. Sans prendre le chou de rechercher, de refaire. Donc, voilà. Si vous les voulez, que vous êtes intéressés, voilà, pour l'instant, j'ai tout noté sur mon petit cahier et je peux vous les fournir. Après, à vous. De l'appliquer et de voir comment vous mettez vos couleurs. Et tout dépend de comment vous avez votre technique avec. Voilà, moi, je pense que j'arrive maintenant à en faire un petit peu ce que je veux. Voilà. Allez, je vous laisse. Bon, je vous reprends. Alors, les péripéties de ce soir. On était parti pour aller à un restaurant, la boucherie. Sauf qu'il se trouve que pour y aller, on devait passer par la même route qui amène à l'autoroute. Les blocages des agriculteurs, mais carrément, ils ont foutu le feu. Voilà, ils ont déversé des trucs sur la voie rapide et ils ont foutu le feu à plusieurs endroits. Voilà. Donc, on a voulu contourner. On s'est retrouvé dans une sorte de cul-de-sac bouché où là, pareil, avec un camion ben, il déversait énormément de trucs qui prenaient feu. On a dit, bon, allez, laisse tomber, fais demi-tour. Loïc voulait quand même essayer de contourner. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, je sens gros comme une maison qu'on risque d'être bouché sur un autre point stratégique. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se casser la nénette? On a dit, bon écoute, on revient. On a KFC à côté de la maison. Allez, on fait KFC. Donc voilà, pourquoi on a fait KFC. On est rentré et
Et on s'est maté la fin du film. Donc il vient de finir là, il est presque 11h. Donc pas d'instant, je me suis mis donc dans mon mystère et tome 2. Voilà, sur ma page 6. J'ai bien avancé le Monstres et Compagnie. Je crois pas avoir beaucoup plus avancé que ce que je vous avais montré. Et puis voilà, je vais continuer à regarder des vidéos là, parce que Loïc il sait pas s'il reste ou pas. C'est impressionnant, je baille pas, je vous prends, je baille. Je sais pas, c'est un phénomène qui m'intrigue au plus haut point. Du coup, l'image pour l'instant est très complexe. Je vais vous la montrer. Je la comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Allez, fermez les yeux, c'est parti. Bon, j'ai pas fini là, je suis en train de mettre la couleur. Au départ, je pensais avoir trouvé. Puis là, j'ai l'impression que non. Mais peut-être que oui, je sais pas. C'est très, très, très bizarre. Enfin, voilà. Écoutez, comme ça, c'est pour le coup, c'est un vrai mystère. Ah, que c'est joli quand ça tortille comme ça. J'aime bien. Bon, il ressemble un peu à rien, mes cheveux. Mais bon. Demain ou dimanche, il faudra que je me lave les cheveux. Et voilà. Donc demain, je me posais la question d'aller à la FNAC, mais finalement, s'il bouche, je sais pas trop si le centre-ville va être bouché ou pas. Bon, donc je vais vous laisser là. Je pense que je vous prendrai demain, peut-être après mes achats, si on s'est déplacé. Et je clôturerai là-dessus. Voilà. Hola, allez, je fais vite. Je vous prends donc samedi 27 janvier. Bon, il est quasiment 17h passé. Je sais pas quelle heure il est. Voilà, on est allé faire des courses à Lidl. Finalement, on a fait un gros caddie. Voilà. Ensuite, j'ai monté mon vlog. Les filles ont joué, Loïc a joué. On s'est pris un peu la journée de chill. Et ensuite, là, on a décidé d'aller donc à la FNAC pour m'acheter mes 4 bouquets. J'ai plus de voix. Je vois que c'est. Et le cadeau arrive. Oui, voilà. Et à cause, je pense, du froid, chaud, ça me casse. Et on a trouvé pour goûter, donc c'est Dino Naturalmente Relato. Ça doit être un truc italien. C'est super. Des cakes, des pancakes. Non, des cakes. Des pancakes, des crêpes et des gaufres. Avec un appât, du chocolat chaud. Et un chocolat chaud. Et enfin, ce truc. Voilà. Je vais vous montrer vite fait avant que tout le monde dévore son plat ce qu'on a pris. Allez, donc Rebecca, qu'est-ce qu'elle nous a pris? Moi, j'ai pris une crêpe, chocolat noisette, on sent pas trop les noisettes, avec de la noix de coco. Il faut qu'elle commente. Donc, tu donnerais quelle note sur 10? 10 sur 10. Ah, quand même si on sent pas la noisette. Okay. Le chocolat chaud qui est trop bon, on peut même mettre de la chantilly. Ah ben oui, c'est sûr, c'est chaud. Papa, il s'est pris crêpe, alors chocolat noir amande et des spéculoos. Voilà. Il pique le chocolat chaud. Lorena a voulu prendre des pancakes, donc c'est au chocolat noisette aussi, des cookies Oreo et chantilly, et maman aussi. Ah oui, je me suis fait ma petite espace. Ah oui, c'est fait son petit espace, oui. Et moi, donc des pancakes chocolat noir amande, noix de coco et une chantilly. Alors normalement, vous avez 2 boules de chantilly, mais là, comme je lui dis, oui, ça va faire beaucoup. Elle a été sympa, elle nous a compté qu'une chantilly qu'elle a divisée avec Lorena. Voilà, mais écoutez, bon appétit, bon goûter. Et je vous ferai le haul au retour de la FNAC à la maison pour vous clôturer. Bye bye, papa. Ça y est, je vous reprends, on est enfin revenu à la maison, donc là il est 8h moins le quart. Je vais vous montrer donc mes livres, alors au final j'en aurais acheté 5 parce qu'il y en avait un que j'avais complètement oublié qui sortait et que je voulais. Bon, je l'ai vu et du coup j'ai validé l'achat. Pour certains bouquins, pour 2 notamment, on a regardé avec Rebecca si j'avais plus de la moitié des illustrations qui me plaisaient vu que c'est mon critère d'achat. C'était validé. Et sinon on a trouvé des paniers, vous savez, à l'application Too Good To Go. Donc de la Micaline, et les filles n'ont pas voulu regarder pour que ça fasse vraiment le panier surprise. Donc on va ensemble voir ce qu'on a eu. Loïc a pris 2 paniers, alors plutôt sucrés, normalement. Or déjà ça, mais on l'a vu, un énorme, oui, ah oui, pain complet, mais j'ai l'impression que c'est plus pain demi, on dirait. Ouais, t'as vu pas, ouais. Ouais, enfin moi j'avais vu écrit pain complet, mais on dirait que c'est un pain demi, bon. Il nous fallait du pain, ça tombe très bien. Okay, je te laisse remettre ça, assistant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va les mettre dans l'assiette. Ah ouais, je t'avais dit qu'il y avait des raisins secs. Ah, mais...
Donc, ah non, c'est pas des raisins secs. C'est une maxi. Ah, chocolat. C'est les maxi tresses aux pépites de chocolat et qu'est-ce qu'il y a dedans? De la crème, non? Un peu de crème, ça dépend. Bon, ça c'est très bon. Ça, on va le manger. Ah, ouais, du coup, ça va pas l'assiette creuse. Et c'est qui m'a demandé l'assiette creuse? Pas grave, c'est alors vrai. Que je voulais prendre la boîte à pain. On en a deux. D'accord, donc ça c'est bien. Coupé en deux, ça nous oui, fait un petit déj. Mais moi, ça m'en fait qu'un déjà, oui. Petit déj. On a des... hey, on a un petit déj pour au moins. Oh, il y a les trucs qui se sont retournés. Ah oui. Merde. Pour au moins. Au moins une semaine de petit-déj. Ensuite, on a... Alors ça, c'est les gros croissants. Je sais pas s'ils sont fourrés. Si, il a l'air d'être avec de la crème, pareil, crème pâtissière ou je sais pas quoi. Et aux amandes. Voilà, ça, Loïc, il adore ça. Ensuite, on a un mini-croissant, il semblerait. Mini-croissant. Oh, j'adore ça. Les mini-petites pains au lait aux brioches et avec des gros sucres. Super. Et un donut. Oh. Ah, le donut, il a pris cher. Ah, parce que c'est collé là-haut. Essaye de décoller si tu peux. Donc, c'est un donut. Alors, je sais pas à quoi. Ah, c'est... non, souris. Non, ça sent la framboise. Ah, ça y est, t'as trouvé le glaçage. Bon, après, c'est pas grave. Hein. C'est le glaçage qui s'est carapaté. Attends, il a quoi? Je pense que c'est la framboise, ça. Oui, c'est à la framboise. Ah. Ouais. Mets ça là-dedans. Évite d'en mettre un peu partout. À l'intérieur, ça peut être à la framboise. Voilà. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. C'est juste du glaçage, c'est pas grave. Hop, voilà pour le premier paquet. Et le deuxième paquet, hop, on va mettre ça là. C'est énorme quand même. Et c'était pour combien? 4 euros le paquet. 4 euros, voilà. Au lieu de, je sais pas. Je sais pas. C'est marqué normalement. Je crois que c'est 8. Ça, c'est très bon aussi, mais c'est des gros pains au lait, gros sucre, quoi. Voilà. Donc ça, il y c'est... avait un croissant aussi. Oui, alors il y avait un croissant qu'on a généreusement donné à une personne sans domicile fixe qui fait souvent la manche devant les parkings. En général, on donne, si on peut, une petite pièce, mais on n'a jamais de pièce. À payer à carte bleue, on n'a jamais de pièce. Et puis là, de toute façon, on avait déjà payé sur l'application et tout. Donc, on lui a proposé le croissant, il a dit oui. Alors, on aurait pu aussi lui donner ces deux petits roulés au pain au raisin, parce qu'on n'aime pas trop les pains au raisin. Bon, on les mangera, ils sont petits, on fera l'effort. Et un chausson aux pommes, c'est original. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. Oui, t'aimes bien, je le sais que t'aimes bien les chaussons aux pommes. Oui. Oh, elle nous a mis des snacking quand même. Ce soir, pep. Ah oui, avec la focaccia. Oui. Deux petits, alors je dirais que c'est quand même des petits pains au lait un petit peu sucrés, oui, oui. Avec de la rosette. On se l'améliorera un petit peu quand même. On se rajoutera peut-être une saucisse dedans. Ou du jambon. Ah, un blanc de poulet. Mais voilà, mais c'est sympa. Ah, mais ça c'est non, sympa. De, qu'elle a acheté le lard d'amour en tranche. Ouais, on n'a pas acheté le lard d'amour en tranche. C'est du Mazda, mais c'est pas du Mazda, mais tu le tranches, c'est pareil. Pourquoi pas. Il était peut-être pas avec nous quand on a fait les courses. Ou alors le fromage frais que t'as qui ouvert. Oui, mais bon, il doit y avoir du beurre avec la rosette, hein. Je sais pas. Ah si, je pense qu'il y a du beurre. Bon, et bien voilà pour tout ce qui est miam miam. Et maintenant, on va passer à mes achats à moi de livres. J'attends juste que Louis me débarrasse tout ça pour pas salir mes bouquets. Ah oh bah oui, c'est sûr, ce serait dommage. Avant de passer à mes achats, Lorena veut à tout prix montrer ce qu'on a pris pour sa copine Eva. Alors, comme sa maman m'a dit qu'elle aimait le rugby, les Lego, qu'elle était pas trop girly... et que bon, elle aime bien tout ce qui est loisirs créatifs, mais à la FNAC, c'est pas comme Cultura, il n'y a pas énormément de livres d'activité. On a regardé un petit peu les promos, les soldes, il n'y avait pas grand chose. Donc Lorena a dit que oui, qu'elle aimait aussi les voitures. Donc on a pris des Lego, puisqu'elle m'a dit la maman, et c'est la station de lavage. Voilà, donc je me dis c'est sympathique, c'est rigolo. Voilà, hein. Ça doit être mécanique vu que ça doit tourner. Ouais, peut-être. Ça tourne ou alors c'est toi qui fais tourner, je sais pas. Voilà, vous avez des petits trucs qui font comme s'il y avait des bulles de savon qui tombaient, voilà. Bon, écoutez, c'est la car wash, voilà. Dans notre Lego aussi, ça fait des pop-corns. C'est pas des pop-corns, c'est de la mousse. Oui, mais ça fait des pop-corns aussi. Ah oui, d'accord. Ça projetera un peu. Donc voilà, c'était quand même à 19,99€. Ça coûte cher les anniversaires. Attends, alors moi, j'ai acheté mes livres. Donc, je vous avais montré la liste déjà, donc c'est pas une surprise. Ce qui est sympa, c'est qu'avec l'achat de mes livres, elle m'a offert deux marque-pages. Waouh, regardez les marque-pages de la mort qui tue. Donc en gros, ça... Après, c'est bien, ça m'a expliqué le passe-partenaire. On peut avoir donc, avec la carte d'adhérent FNAC, moins 42% sur ces partenaires-là. Mais écoutez, c'est sympa parce que Carrefour, ouais. Airbnb aussi. Bon, Uber Eats, on n'utilise pas trop. Mais Decathlon, pourquoi pas, on sait jamais. Booking.com aussi. Voilà. Bref, Loïc, il voulait un marque-page, il a droit. Alors, donc, je vous montre mes achats. Hop, du plus petit au plus grand. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de Johanna Basford. C'est bon, l'illustratrice préférée. Ça y est.
Ça a été, on va dire, la première hors Disney. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son trait de crayon, j'adore. Et c'est vrai que là, c'est des petits, du coup. Et ça me plaît beaucoup aussi. Voilà. Alors, je ne garantis pas qu'il sera un jour fini, parce que, voilà, c'est compliqué, hein, mais j'adore avec tous les petits éléments et tout. Donc, voilà, vous avez des flips si vous êtes intéressé. Sinon, vous me demandez si vous voulez un flip en particulier d'un livre. Mais, ouais, j'adore. Ensuite, je passe vite sur les achats. De toute façon, vous les connaissez, c'est les bouquins qui sont sortis là en janvier que j'attendais la ressortie. Bien sûr, celui-là, Anna Carzon, j'avais finalement très bien fait de ne pas prendre la version anglaise, puisque du coup, je ne savais pas que Hachette Heroes allait le racheter. Et je suis très contente parce que le papier, il est excellent. Enfin, du coup, au toucher. Après, c'est exactement la même chose. Après, j'avais l'impression qu'il était... Il est un peu plus grand. Moi, je pensais que... Enfin, ça m'a étonné en le prenant, parce que je pensais qu'il avait la taille du mascarade. Mais là, à première vue, il me semble plus grand que le mascarade et que le violet. Alors, est-ce que c'est la version Hachette qui est un peu plus grande? Je ne sais pas. Après, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, au moins, c'est en français. Voilà. Donc, Magie du Royaume de la Forêt. Ensuite, j'ai craqué. Je le voulais, de toute façon. Le chibi. J'adore les illustrations, les petites poupettes, c'est trop mimi. En plus, c'est assez simple, regardez les traits de crayon. Voilà. Je me vois tout à fait avec mes crayons de couleur. Là, je veux dire. Voilà, mettre tout ça en couleur. Et ce qui est bien, comme c'est hors Disney, c'est totalement, on va dire, libre. Quoi. Enfin, j'arriverai à me détacher. Regardez-moi ça, le bol de ramen, quoi. J'adore colorier la nourriture. Et alors, la nourriture asiatique, comme ça, encore plus. Après, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu... Oh, petite poupette. Oh, regardez-moi ça. Et voilà, je le trouve très, très, très accessible. Et franchement, non, ça a fini de valider mon choix. Et alors, celle-là, c'est une de mes préférées. Sorcière, avec le petit chat et la petite lune, ça me fait trop penser à Luna. Voilà. Et après, est-ce que j'en ai une autre que j'aimais bien là-dedans? Je ne sais plus. Après, il y en a, elles ont des têtes un peu choues. Mais oh, regardez-moi ça, le cornet de glace, quoi. Oh, ça donne trop envie. Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu un bubble tea. Il y avait un bubble tea? Oui, mais plus vers là-bas. Ah, ouais! Ouais, le bubble tea! Regardez ça, mais des fraises. Oh, j'adore le bubble tea. Oh, qu'est-ce que j'adore le bubble tea. Oh là 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 là. Oh, et puis celui-là, il choupette. Là, je sais pas trop ce que c'est, mais il dort sur son petit nuage. Ah, ben, t'es pour le défi de but de l'arc-en-ciel, il fallait quelqu'un qui dort. Oh, et puis ça, c'est trop chou, en train de manger les petites nounouilles. Le petit chachou. Ah, j'adore. Oh, Magic Tea aussi, regardez celui-là. Non, franchement, ce bouquin, j'adore. Et après, bon, mais bien sûr, je n'allais pas passer à côté de petites poupées. Je restreins vraiment tous mes achats au niveau de, surtout, Disney. Parce que j'en ai marre que ce soit toujours les mêmes illustrations. Ou alors on a toujours, soit parce que c'est un gros plan, parce que c'est un petit, parce que c'est un peu plus loin, parce que c'est ceci. Mais ça reste toujours les mêmes. On les a vus et revus. Et c'est vrai que j'avais dit, pour l'instant, stop. Sauf s'ils me sortent un truc vraiment qui sort des sentiers battus. C'est exactement ça, mes petites poupées, mine de rien. Elles sont petites poupées, quoi. Donc là, pour le coup, on n'a pas du tout ces illustrations. Voilà. Mais là, j'adore. Et ça, pour l'instant, on ne les a pas ailleurs. Donc j'ai dit, oui, voilà, il me le faut. Après, c'est vrai que peut-être ils vont nous le sortir en marque-page, ils vont nous le sortir en bodoni, peut-être en bloc. Je ne sais pas. Mais bon, pour l'instant, écoutez, je l'aurai dans cette version-là. Et ça ira très bien. Et j'ai vraiment craqué. Et pourtant, j'aime pas Maléfique. Mais alors ça, j'adore. Comme ça, sous forme de 3 petits marque-pages. Elle, je la trouve vraiment excellente. Là, pour le coup, c'est vraiment la petite poupée de Maléfique étant bébé, quoi. Ça, j'adore. Alors que c'est vrai qu'il y en a plein déjà qui l'ont dit, mais je trouve ça ridicule d'avoir mis Lilo et Stitch, quoi. Voilà, il n'y a rien qui change avec Lilo et Stitch. Là, j'aurais préféré qu'ils innovent en mettant un bébé Jafar. Comment il s'appelle? Bébé Hadès. Bébé Ursula Allier. Oui. C'est vrai qu'après, on n'a pas tant de méchants que ça. Et là, ça aurait été sympa, vraiment sympa. Voilà. Bon, on a bébé Ariel. Non, après, il n'y a quand même pas tant d'illustrations qui sont mal choisies, quoi. Mais Lilo et Stitch, franchement, moi, j'aurais sauté. Celle de Vanellope, il n'y a pas vraiment l'intérêt non plus. Parce qu'elle est telle qu'elle. Là, en fait, ce qui aurait été sympa, c'est qu'ils transforment vraiment
ceux qui, à la base, ne sont pas déjà bébés, hein, petite poupée. Et bien sûr que les autres, ils sont bébés, mais c'est déjà le cas. Donc, ouais, parce qu'après, qui sait qu'on avait d'autres aussi qu'on a mais dit. Mais aussi, les bêtes, elles sont plus bébés. Comme bah, Dory, par exemple, bébé, mais on l'a plein de fois dans bébé animaux, quoi. Donc, celle-là, c'était pas une obligation de la mettre, quoi. Voilà, ça aurait été plus sympa qu'ils fassent ben, ça avec d'autres persos bébés. Qui à la base ne sont pas, je sais pas moi, bébé. Olaf. Olaf bébé. Non, il y est à un moment donné, c'est pas. Ah bon? Oui, avec. Non, mais bébé, comme je dis, les bébés méchants, ou alors des bébés. Bébés de princesse. Voilà. Bon, après, oui, on a Jasmine, ça c'est sympa, mais bon. Bébé animaux, quoi. Lilo, ça sert oui, à rien. Non, petite. On est sur petite poupée, ce qui veut dire que c'est des humains, pas des animaux. Et d'ailleurs, Dory, je vois pas ce qu'elle fait là, effectivement. C'est un animal. Vous voyez, celui-là, bon. Voilà. Donc, mais elle a toujours été petite. Bah oui, ok. Après, Vaiana, oui, effectivement, c'est parce qu'on l'a vu dans les dessins animés, mais oui, c'est une bébé, sinon, c'est d'accord. Oh, Mulan. J'aurais pu faire plus de bébés Mulan. Je sais pas, entendu, moi, Mulan. Mais si. Bon, elle a fait Clochette, bébé, ouais. Plus ou moins. Après, bébé Tiana, c'est très bien. Voilà. Il y a de. Dans l'ensemble, on va dire, sur. Allez, 80-90%, eh bien, il y a juste, voilà, quelques illustrations qui auraient pu être évitées. Et le dernier. Que j'avais oublié que je le voulais parce que celui-là, quand Bruno l'a présenté, j'adore. Alors, côté mandala chez moi, ça dépend sous quel format. Quand c'est trop des trucs arabesques, c'est pas mon dada. Par contre, quand c'est des choses qui se répètent parce que c'est le colo qui se veut, hein, comme ça, ça je kiffe. Voilà, je kiffe parce que là, pour le coup, ça fait vraiment comme Johanna Basford. Voilà, détente, une fois que vous avez votre combo en plus, il suffit de le répéter. Et devant la télé, ça c'est vraiment des colos de chill quoi. C'est un petit peu équivalent finalement au mystère. Ah ouais, j'ai vu. Ah, un mandala bubble tea. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il faut trouver l'intrus. Alors oui, en plus, il y a un petit jeu. Il faut trouver l'intrus. Alors, c'est pas vraiment flagrant. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a celui de la couverture? Tu l'as vu celui-là? Je pense pas. Non, mais parce que comme il est sur la couverture, on peut déjà le... Tu vois, c'est pas un spoil. Va essayer de trouver le colo de la couverture. Je peux en prendre un autre. Après, voilà, il y a des mandalas cristaux, mandalas licornes, dinosaures. Après, oui, il y a des trucs, c'est donuts. Très petit. Ah ouais, les donuts. Après, il y en a que je sais d'avance que je ne ferai là, pas. C'est voilà. Donc, par exemple, vous voyez celui de la couverture. Bon, il est là. Voilà. Et en fait, celui de la couverture, si vous regardez bien, c'est des citrons, c'est tout ce qui est agrumes. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Ah, une fraise qui est venue se perdre dans les citrons. Voilà, ben, c'est ça le jeu. Je sais que vous avez un truc comme ça qui n'est pas à sa place ou voilà, qui est venu squatter. Après, de premier abord comme ça, quand je regarde, je ne les vois pas, les intrus. Hein. C'est en colorien qu'on le verra. Moi, j'en vois quelques-uns. Mais... Ouais. Tu as regardé, tu l'as cherché. Bah, moi, après, j'ai le temps à le chercher. Mais, ouais. Mais bon, voilà, donc je me dis, c'est sympathique. Par exemple, là, ah, ben là, ça y est, là, je l'ai vu facile, celui-là. Ben, ouais. Par exemple, celui-là, hop, je vous le montre, essayez de trouver l'intrus. Voilà, je ne vous le dis pas. Voilà, faites pause, analysez. Il est facile. Facile hein. Donc voilà, écoutez. Oh, j'adore recolorer la nourriture. Regardez-moi ça. Des hot dogs, des hamburgers, des boissons. Bon, là, bref. Je pense qu'il y a plus de nourriture. Ah, et des pizzas. Il y a pizza aussi. Trop de pizza. Ah, là aussi, il faudrait trouver l'intrus. Moi, je l'ai trouvé. Ah ouais? Eh bien, je verrai alors. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Les glaces, les fruits. Enfin, il y a un peu de tout. Quoi. Voilà. C'est sympa, c'est écrit en français. C'est de qui? Alors vous n'en avez que 36 apparemment. Oh, ça m'éclate aussi. Vous n'avez pas du tout le même prix. Du coup. Enfin, si, le même prix. Mais là, il n'y a que 36. L'autre, il y en a 45. Il y a 45. Le chibi, on est sur combien là? 5. Non. C'est pas marqué. Ah, ben c'est pas marqué celui-là. C'est marqué au début? Non. Combien il y a de pages? C'est Sandrine Fourier. Non, combien il y a d'illustrations? Il y a combien il y a de pages? Ouais, plus ou moins, si tu veux. Comme elles ne sont pas numérotées. Que c'est marqué à la fin. Non. Bon, ben, je sais pas, il faudrait que je les compte. Voilà. Et celui-là, de combien marqué? Donnez vie à 36. Voilà, à 36. Mais de rien, on en a 9. 45 illustrations. Ah, ben 45. Donc voilà. Ben 45. Et que celui-là qui nous arnaque. 36. Voilà. Ouais. Bon, ben allez, ben écoutez, encore une jolie petite collection. J'avais préparé donc les étiquettes. Voilà, j'avais préparé donc pour. J'en avais fait 5, mais pour le famille en précommande. Ça, ce sera pour février. Donc voilà, bah écoutez,
je vais vous laisser là-dessus. Je sais que le timing de ce vlog est correct. Voilà, je vous ai mis deux passages en accéléré. Alors, comme je vous disais, moi, c'est pas forcément les trucs que je kiffe regarder. Mais parce qu'en fait, il faut regarder et pas forcément écouter. Mais j'ai essayé de vous les faire pas trop longs. Je vous les ai mis fois 6, je crois, pour le colo. J'ai sauté aussi la longueur. En fait, je vous ai pas tout mis parce que, bon, voilà, comme je vous dis, c'est pas vraiment mon dada à moi. Donc, voilà, je mets dans la vidéo ce que j'aimerais voir. Mais je sais que ça peut vous faire plaisir des fois de voir un petit peu comment je fais. Donc n'hésitez pas au pire à ralentir si vous voulez vraiment analyser. Mais voilà, je vous ai mis le sticker en DP. Après dites-moi si ça vous plaît comme ça que je vous mette des fois l'activité en accéléré. Je le ferai un petit peu plus. Pour le filmer, ça ne me demande pas beaucoup de temps. Bon, pour le monter, un peu plus parce qu'il faut que je fasse des coupes, que je mette la musique et tout. Mais bon, soit c'est pas là. J'espère que vous aurez passé... semaine avec moi agréable. Moi, ça a toujours été un plaisir de toute façon de vous faire partager tout ce qu'on vit. Voilà. De toute façon, c'est ce que je suis. C'est mon... On va dire que c'est ce que j'aime faire sur ma chaîne. Voilà. Ah, Rebecca veut vous lire la devinette du jour. Allez. Allez, elle veut vous faire les trois que vous n'avez pas eu droit puisque... Dans le vlog, je vous ai déjà dit une qui était « Comment dit-on slip en japonais ?» J'attends d'ailleurs vos réponses en commentaire. Allez, la suivante. « Pourquoi ne prends-tu pas ta soucoupe aujourd'hui ?» demande un extraterrestre à son fils. « Je ne me sens pas trop dans mon assiette. » Bravo. Allez, la suivante. Tu sais que tu peux rire aussi. Non, je ne vais pas te faire coincer. Deux fous sont dans une voiture. L'un demande à l'autre. Tu crois que les clignotants marchent? L'autre va voir et répond. Ça marche pas. Ça marche, ça marche pas. Tic, tac, tic, tac. Et elle, c'est une devinette. Ah, une devinette, mais bon, on vous donnera la réponse. Je suis vert et je pousse au fond du jardin. Qui suis-je? Attends, mais moi, je ne sais pas. Alors, attends, je suis vert et je pousse au fond du jardin? Qui suis-je? C'est de l'herbe, non? Attends, est-ce que c'est un légume? Je suis vert et je pousse au fond du jardin. J'ai un vert? Non. C'est une connerie? Oui. Ah. Ça, c'est pas vrai, hein? Ah, c'est pas vrai, ça existe pas? Non, c'est pas vrai. Ah, ben alors, qu'est-ce qui est vert, enfin, et qui pousse au fond du jardin? Dans des films, ça y est. Dans des films, ça y est. Une mousse? Non. Non. Un caca vert? Non. Presque. C'est presque un caca. Du pipi? Non. Non. Qui pousse au fond du jardin? Je sais pas, donne la réponse. Okay. Un extraterrestre en train de faire caca. Ah oui, qui pousse! Oui. Eh oui, qui pousse, mais qui pousse. J'ai compris. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Alors ça, c'est nul, hein. Celle-là, elle est nulle quand même. Elle est bien, mais elle est nulle. Et ça te fait rire. Non, mais elle est bien trouvée, celle-là. Et celle-là, tu l'as comprise? Oui. Eh bien, c'est très bien. Non, mais tu n'avais pas compris celle avec le fien. Non, je sais pas ce que c'est, un fien. Eh bien, oui. Enfin, si, c'est un chien. Et un oui. Canif. Au début, je pensais aussi que c'était un canif. Eh oui, mais c'était ça l'idée. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Ce sera nos blagounettes pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà. Moi, je vous remercie de tout cœur d'être toujours aussi fidèle à ma chaîne, à mes vidéos. Si vous prenez du plaisir à me suivre, eh ben, je suis ravie. Ceux qui n'aiment pas, ben, écoutez, passez votre chemin. D'ailleurs, je ne vous le dis pas forcément à chaque fois. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des j'aime en... Enfin, je pense qu'il y en a qui me mettent le j'aime vers le bas, je ne sais pas comment on dit, un dislike, vu que le pourcentage des j'aime n'est pas à 100%. Alors, en soi, je m'en cogne. Mais comme je dis souvent, si vous n'aimez pas, ben au pire, passez votre chemin. Voilà. Pas forcément besoin de le signaler. Ou alors si, mais signalez-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Soit parce qu'il y a un problème de son, problème visuel, on parle trop vite, ou le sujet ne vous intéresse pas. Enfin, voilà, qu'on essaye de s'améliorer. Bon, c'était le petit... juste voilà que je viens d'y penser, que je voulais vous en faire part. Si vous avez, vous, des théories, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, vous avez une réponse à ce phénomène. Bon. En tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas de dormir. Voilà.
On ne le dit pas assez souvent non plus, mais n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos, pour me soutenir, c'est gratuit. Abonnez-vous, partagez, faites parler, voilà, tout simplement de moi, si vous pensez qu'il y a des personnes qui apprécieraient mes contenus. Vraiment de tout cœur, n'hésitez pas à m'aider, à me développer. Et comme je vous le dis, c'est gratuit. Autant en profiter. Voilà. Bon, en tout cas, on vous laisse. Hein? On vous souhaite du coup une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve, nous, comme d'habitude, à lundi prochain. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous. Mouah.